Rappelez-vous, hein. On prend des notes dans ce jeu, parce que c'est tellement dur qu'on prend des notes. Hein. Pourtant, les kebabiers ont souvent 12 cheveux rabattus sur le crâne. Mais c'est parce que c'est pour ça qu'ils ont ouvert un kebab. C'est pour financer les implants. Croyez quoi, vous? Le changement de sujet pour ne pas parler de ce qui dérange. Je vous enlève le chat, par contre, parce que sinon, après, vous croyez que vous êtes trop important. Ça, c'est un véritable problème, ça. Un véritable problème. Mais en vrai, véritable business, hein, les implants. Les amis, les implants de Vœuch en Turquie, c'est un vrai business. Hein. Attention à ça. Bon. Ce qui défrange. Donc on était dans ce deuxième monde, on savait pas trop ce qu'il fallait foutre. On sait qu'en bougeant les trucs ici, on change l'eau, le niveau de l'eau. Donc via ce passage-là. On peut passer ici. Non, c'est pas là. On peut passer où? Attends, mais il y avait un chemin avant. Attends, on est en train de se foutre de ma gueule, là. Ah oui, on avait trouvé une page, là, non? Non, tu peux pas tomber. Voilà, le jeu est magnifique, hein. Ceux qui ont joué au jeu dans les années 90, vous sachez. Vous sachez. De ce qui défrange. T'es à la limite de te voir offrir un sub pour la vanne Visitor J. Elle est pas encore assez incroyable. Et par là-bas, il y avait l'autre chambre. Je sais pas à qui appartiennent les chambres, par contre. Ah, peut-être que vu qu'il y avait des pages, c'est la chambre de Sirius et l'autre, c'est la chambre de Akanor, là. Donc ça, genre, ce serait la chambre de... C'était la rouge, ici. Donc ça, c'est la chambre de Sirius. Et l'autre qu'on a vu, c'est la chambre de Akenor. Aknor. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout comment il s'appelle. En Turquie, ouais, j'ai fait un changement à l'aéroport. Une fois, je comprenais pas pourquoi tant de gens avaient la tête dans des bandages. Vraiment? Vraiment, en plus? Incroyable. Là-bas, on peut allumer la lumière pour mettre du gaz là-dedans, là. La musique réveille des souvenirs. Ah bah totalement, ouais. Totalement, totalement. Donc là, en fait, si je mets le jus là. Hop. Là, faut que je me dépêche par contre. Parce que le jus, il dure pas pour toujours. Hein. Donc là, je vais là. Maintenant, c'est allumé. On est content. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc là, je peux aller par là. Donc là, c'est la chambre d'Akhenaton, là, ou Akenor, ou je sais plus trop quoi. Par là. Par là, je vais où? Et par là, je crois que tu vas dans l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, là? J'ai fait de la merde! Oh non, j'ai fait de la merde! Oh là là! Et par là-bas, y'a quoi? T'as libéré le monstre, t'imagines? Ah bah GG! Bah GG, c'est loose! Je crois que le cadran qui est en bas, il est en rapport avec le truc qu'on a tout en haut avec les degrés et tutti quanti là. En gros. Ici, j'ai ça. Avec des degrés. C'est quel degré, Nord? Je suis censé voir un truc ou pas? Parce que moi, je vois R. Parce que moi, les frérots, je vois R. Des bisous, Révolution. Genre le nord, c'est pas 180 degrés? Non, c'est froid, je dirais moins 20. Ça se trouve, faut que je me mette au niveau de ça, quoi. Je me donnais envie, j'ai téléchargé le jeu. Je veux bien le croire, ouais. Je veux bien le croire. Incroyable ce jeu.
Parce qu'en vrai, regardez, alors je vous montre un truc. En fait, le problème aussi, c'est qu'on avait un bouquin qu'on n'a pas lu. Alors que potentiellement, le bouquin aurait pu nous aider dans ce monde-là, quoi. Et on peut pas retourner dans le monde d'avant. Donc là, j'ai enlevé la flotte. J'ai enlevé la flotte où? Ici, pas du tout. N égale 0, ça follow la rose des vents, non? Ah. N égale 0, du coup. Ici, on n'a plus rien à faire. À part réactiver l'électricité lorsqu'on en a besoin. Et tout à gauche, c'est quoi? Et tout à gauche, on a... c'est ici, là. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, on a un autre truc où je vais peut-être pouvoir poser la feuille rouge. Je sais pas si j'ai un inventaire ou quoi. Ouais. Ouais. Tu vois là, c'est... c'est tordu. Tu mets le 0 en face du nord quand tu veux repérer en rando. Ok. Donc potentiellement, là quand on regarde comme ça... alors attendez, je vais essayer de garder l'axe. Ok, donc c'est cet axe là qu'il nous faut, donc c'est celui-ci. Donc je vais placer en haut le degré sur le bon truc. Ouais, je pense que c'est ça la solution. Il faut que je trouve le degré, donc c'est le deuxième. Alors attendez. Donc c'est... 185, ok. Je pense qu'il faut que je rallume la lumière, que j'aille en bas et que je touche à la 185. À l'ampoule 185, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que ça va être ça la solution. Mais avant je vais aller voir si là-bas l'électricité elle proc quelque chose ou non. Je pense que ça va être ça. Nice. Nice. 185 on a dit hein, j'aurais dû le noter. C'est pas grave. Je pense que je vais retiendre. Là-bas est-ce que maintenant on a de la lumière? Rien n'est moins sûr hein. Non, on n'a pas de lumière. Pourtant, j'ai le souvenir que ça avait été bien rouge là-bas, non? Là-bas, c'est allumé. Il faut juste que je change ici. Il y a toujours la lumière. Pff, moi, en rando, j'utilise pas de boussole. J'utilise le sens du vent. Des bisous choucroute. Mais là du coup... tu vois 185... la mousse sur les arbres, voilà exactement. La mousse sur les arbres, le sens du vent, le... où se couche le soleil. Des trucs comme ça quoi. Des trucs de vrais survivalistes. Donc là, faut que j'appuie sur la bonne ampoule. Au bon degré. Donc alors, si ça c'est 0, 180 c'est là, et 185 c'est là. Pas du tout. Absolument pas. Peut-être dans l'autre sens. Peut-être que c'est 190 ou 180 qu'il faut faire un choix, quoi. Soit comme les bourgeois suivent le sens du vent. Permettez-moi de m'embourgeoiser s'il vous plaît. Go sub. Go sub tier 3 SVP là. Permettez-moi SVP. Moi j'utilise les oiseaux qui comme de par hasard se pointent quand je suis dupé. T'as bien de la chance. Moi j'utilise mon smartphone. Prends ça. Prends ça donc. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça? 185, on y retourne hein? Ça se trouve c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout ça la solution quoi. Ce qui est fortement possible. Quand c'est trop évident comme ça c'est que... c'est qu'Anguille sous roche. On est d'accord que ça c'est le nord hein. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire oui ou vous avez le droit de dire non. Moi pour moi c'est le nord ça. Graduation, c'était pas tous les 10 degrés vis-à-vis des ampoules. Bah, je me dis, tu vois,
Mais on a qu'à compter. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 90, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90, 300, 310, 320, 330. Ah, donc c'est pas les mêmes graduations quoi du coup. C'est pas les mêmes graduations. Ah mais attends, sinon j'ai juste à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, moins 2, 32. Donc il y a bien 320. Il n'y a pas assez d'ampoules. Hein. Non, non, il n'y a pas assez d'ampoules. Parce que là-haut, sur le cadran, je crois qu'on va jusqu'à 360. Ça se trouve, non en fait. Hein. Ça se trouve, on va jusqu'à 320. Hein. Et auquel cas, du coup... juste que c'est pas dans l'axe. Donc on a 320 degrés sur la table d'en bas. On a 320 degrés sur la table d'en bas. Ah, y'a plus de lumière. D'accord. D'accord. 360 égale 0. Attends, attends, on va voir. Hein. On va voir jusqu'où ça va. 320, 330, non, ça va plus. Ça va vraiment jusqu'à 360 quoi. Ouais, 360 égale 0. Oui, donc du coup t'en perds 2. Donc c'est 180 ou 190, c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être 185 du coup. Donc ce qu'il faut déterminer, c'est où commence le 0. Ouais mais du coup c'est pas... Ça se trouve du coup, vu qu'on perd, on a 42 moins, t'en perds 1 techniquement, ouais. Et que 1, alors que nous on a trouvé 320, donc du coup nous on en a perdu 4. C'est pas la même quoi. C'est pas la même. Je crois que j'ai loupé. Non, c'est là. C'est quoi ça? Rien du tout. Tu vois, si là c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 18 ou 19. Là, là. Là, on fait 18 là. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y aurait pas quelque chose dans une des chambres, genre un écrit ou quelque chose à lire ou découvrir qui pourrait nous mettre sur la piste. Genre ça là. C'est la terre du milieu. Il y en a deux fois plus que de branches sur la rose des vents. C'est pas du nord-est ou un truc comme ça qu'il te faut? Ah, tu veux dire plutôt que de chercher un degré, plutôt chercher un point cardinal? Ah, accès, machin, au levier, le coffre-fort, tous sur l'île, y accéder, instruction simple, trouver chacun, levier, puis retirer, dernière, un cap. Il y a nord, nord-ouest, nord-ouest, etc, etc. Oui. Alors attends. Tu veux dire que... Oui, on a nord. Nord, nord-est. Nord-est. Est, nord-est. Est. Est, sud-est. Sud-est. Sud-sud-est. Sud. Du coup, pourquoi 185 divisé par 11,25? Sinon, j'arrive à faire ça et à remonter à la surface en sachant que c'est là le nord. Attends. C'est comme ça que je fais IRL, moi, quand j'ai un cap. Alors, attendez. Hop. Juste que je réussisse à passer. Mais... Je peux pas passer. C'était comme ça. C'est comme ça la vie de moi. Je...
Là c'est ouest à gauche et à droite si je me trompe pas. Ah oui oui totalement pardon oui j'ai vilipendé. Donc là le nord il est là-bas. Dans le chat au lieu de ta calculatrice. Le nord il est là là. Il est là. Tac. Donc ça veut dire que nous, c'est lui qu'on cherche. Oui. Donc nord, nord, nord-est alors on cherche. Enfin nord, nord-est. Peut-être hein, peut-être. Je veux pas. Nord, nord-est ou nord-est. Y'a plus de jus? What? Ah non j'ai eu peur. Ah non, je vais dans le mauvais sens en fait. Ok, ok, on va tenter nord-nord-est. Ça c'est cool aussi parce que t'as le sentiment que t'as plusieurs manières de résoudre l'énigme quand même. Après, ça se trouve, je me plante 100 000. C'est possible aussi quand même. Quand même. Donc. Nord. Absolument pas. Mais c'est dur. C'est méga dur en vrai. En vrai de vrai. Et dites-vous qu'à l'époque, tu pouvais pas courir comme ça comme un connard. Hein. Tu devais cliquer pour changer de tableau à chaque fois là. Retourner là-bas. Recliquer pour remettre le jus. Redescendre. Tu mettais 1000 ans quoi. Là on le fait en speedrun quasiment. Attends, j'ai une autre technique sinon. On fait ça. On se met en bas. On sauvegarde. On teste. Ça marche pas. On charge. On teste. Ça marche pas. On charge. On teste. Récapitulatif d'épreuve. Alors, récapitulatif d'épreuve. Ici, nous avons 3 emplacements. C'est honteux. 3 emplacements qui permettent de changer le niveau de l'eau en fonction de l'endroit. Donc, on a un emplacement qui permet de changer le niveau de l'eau ici, donc du coup d'accéder là-bas. Un emplacement qui permet d'enlever le niveau de l'eau ici, et donc ici. Et un emplacement qui permet de changer le niveau de l'eau ici. D'accord? Mais ici, il n'y a plus rien à s'occuper parce qu'en fait, on a pu ouvrir le coffre. Ensuite, du coffre, on a pu ouvrir ici, accéder à l'étage et utiliser le jus pour mettre du courant. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, nous avons tout en haut un genre de jumelle slash télescope et tutti quanti. N'oubliez pas d'utiliser votre Twitch Prime qui permet d'avoir les degrés. D'accord? Parce que là tout va bien. Mon idée, moi. Ah. Ah non. Je pensais qu'il y avait un truc. Mon idée, moi, c'est qu'il nous faut ça là. Donc entre 180 et 190. Pourquoi? Parce que l'endroit où on veut aller, il est là. Et quand on y va, il se passe rien. Il est inaccessible quoi. Je vais vous montrer. Comme ça, on aura vraiment tout vu, tous les indices. Et on pourra retourner tester les ampoules en bas. Je crois que c'est avec ça. Je crois que c'est avec ça. Oui. Vous allez voir. Donc là, on a un truc. Ici, on appuie sur le bouton, il se passe rien. Et il y a un... Il n'y a plus de lumière. Il y a un câble qui part là et qui va là-bas. Et nous, on a triché. Enfin, on a triché. On a vu que le câble là, il était orienté sur un axe précis qui est... Le... qui est là, là. Comme ça, là. Tac. Donc... Ah, mais du coup, ça peut être 180. Comme ça peut être exactement l'inverse là-bas. Donc si c'est pas nord-est, c'est sud-ouest. Ça se trouve je prends dans le mauvais sens en fait. Ça se trouve je prends totalement dans le mauvais sens. Je pense que c'est ça. Du coup, c'est pas nord-est. C'est sud-ouest. Merde, j'ai pas pris le bon truc.
Je pense que c'est pas trop débile hein, ce que je viens de découvrir. La longue vue, il y a 100% rien comme info à en retirer. Bah, je pense qu'elle est juste là pour t'aider, tu vois, à checker un peu les degrés, pour savoir, pour pouvoir les reporter sur la rose des vents en bas, tu vois. Je pense, hein. De toute façon, moi, je préfère les roses des sables. Donc, ce n'est pas nord-est, c'est sud-ouest. Ou alors c'est qu'il y a un truc dans leur chambre que j'ai pas checké. Il y a un truc dans leur chambre que j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas vu quoi. Note ceux que tu as déjà fait. C'est vrai que je devrais faire ça. Ouais. Tu vois, il y a R. La musique elle est vraiment incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas prendre la boulasse? Non, juste un truc mignon. Le petit kit du bon drogué là. Oui, je devrais noter ce que j'ai déjà fait. Bah on a fait nord-est. On a fait sud-ouest. On a fait nord-ouest. Ça teste les planétariums. En fait, là, on n'a pas du tout accès à la map, à la première map. On n'y a pas du tout accès. Là, on est vraiment dans un nouveau monde et on peut pas quitter ce monde-là pour l'autre. Impossible. Et en fait, on a récupéré les pages, la page bleue et la page rouge. Il y a un faux. Et moi j'aurais retourné la chambre hein. Ça se voit ils ont jamais joué à un escape game. Dans un escape game tu retournes tout hein. Là il y a ça aussi que je comprends pas trop. Je pense qu'il y a un truc à foutre dedans. Là il y a les cartes. Il y a les outils. Il y a des masques. Je ne pense pas. On va aller réactiver le jus. Et oui, ça me semble étrange aussi que la longue vue serve à rien. Il y a forcément quelque chose à en faire. C'est pas un réplica de la machine. Si, ça ressemble, mais du coup, je peux pas foutre... Pas plus logique de viser la lumière du phare qui clignote 135 degrés est-sud-est. Tu penses? Bah je pourrais tenter mais pour moi c'est la lumière qui clignote parce que... Ouais moi aussi je l'ai vu le truc qui brillait mais en gros c'est ça là. Tu vois c'est juste pour dire bah y a l'électricité quoi. On peut tester si vous voulez hein. Jusqu'à ce que l'employé vienne te dire d'arrêter de tout casser. Bah ouais mais c'est comme ça que je fonctionne hein. Moi tu me mets dans un escape game je casse tout hein. Non, c'est ouais, non, c'est rien. Donc, est, sud-est. Est, sud-est. Non. Donc, est, sud-est, c'est pas ça. This is not est, sud-est. Et les tester quand il n'y a pas de lumière, je pense que ça sert vraiment à rien. Non, ça sert vraiment à rien, je perds mon temps. Donc j'ouvre la lumière du phare. Niet. C'est pas ça. Et encore la lumière du phare. Mais attendez, mais la lumière du phare c'est pas est-sud-est. C'est nord-nord-est. Je vous rappelle que le nord il est genre là le nord. Le nord est là. Du coup la lumière c'est nord-est. Et nord-est on l'a déjà fait. Mais c'était pas ça. Le
Le seul escape game que j'ai fait avec des potes, on l'a pré-shot. J'en ai fait un il y a pas longtemps avec Paul the Tattoo. Il était incroyable. On l'a fumé. La meuf était impressionnée à faire waouh! Waouh! You are so strong! What a mindset of winners! Et nous, on a dit, bah nous, en fait, on est pour la politique du mérite. Et je lui ai dit que c'était grâce au fait que j'avais 2,5 Didier Raoult dans ma tête. Et là, du fer, tu peux l'avoir avec la loupe, ça te donnera le degré exact. Oui, je peux l'avoir avec la loupe, ouais. Je vais te montrer, hein, mais pour moi, la lumière du fer, c'est vraiment pas ça. Hein. Après, je peux me tromper. Vous connaissez ce genre de jeu. Parfois, t'es tellement focus sur une solution que tu t'acharnes dessus. Ça fait au moins 900 de QI. Ouais. 135. 135, c'est ce qu'avait annoncé Prime. Et ça n'a pas marché. Ah, mais du coup, 135, c'est pas... On avait dit que c'était pas... T'entends ça que c'est sud-est. Alors oui, mais c'est sud-est. C'est sud-est sur un... sur un... T'entends ça que c'est sud-est dans un cardinal où 0 c'est nord. On est d'accord là-dessus. Sauf que là, c'est pas le cas. Et on a bien vu que le nord, les amis, on l'a vu le nord, hein, le nord. En fonction du truc en bas, le nord, on a dit que le nord c'était là. Donc c'est-à-dire que ça, hein, c'est nord-est. Et nord-est, on a déjà fait. En fait. Salut Pomo. J'espère que tu vas bien. Tu vois, t'as le nord là. T'as le câble qui est là. C'est le câble qui va... qui va au truc. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Ici, là. On va tester celui-ci, là. Ça, c'est les 0,5, non, je sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, j'ai testé quoi, là? J'ai testé... nord... nord-ouest. J'ai testé nord-ouest. Et sud-est, il est où? Sud-est, c'est lequel? Sud-est, c'est lui, là. Lui, je l'ai fait, je crois. Hein. Tu t'es trompé d'un, non? Ah ouais? C'est dur. En tout cas, c'est dur. En tout cas, je remercie celles et ceux qui connaissent la solution et qui ne la divulgâchent pas. Ça fait bien sûr bien même plaisir. Quoi. On va retourner mater. Parce qu'en fait. Là, en gros, là, les amis, la lumière, elle clignote pas, tu vois. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de lumière. Non, ça me dérange pas du tout. Non, parce que je trouve l'intérêt, justement, pour ce genre de jeu, c'est de... c'est... vous auriez la solution, vous la connaîtriez, vous me la lâcheriez comme ça, je serais pas très content. Mais là, vous la connaissez pas, la solution, donc vous cherchez avec moi. Et je trouve ça bien plus intéressant de faire un jeu de ce type, de cette manière-là, plutôt que tout seul. Si je voulais jouer, tout seul, vous savez, je streamerais pas, quoi. Et si c'est pour qu'on discute pas parce que je cherche la solution et que vous, vous êtes entre vous à vous mettre des doigts, on va se faire chier quoi. On va se faire chier. Après, je comprends quand il y a des streamers qui veulent pas, qui fonctionnent pas comme ça, mais. Moi, c'est pas mon cas en tout cas. Et si je vais vraiment à l'opposé du 180 là, j'obtiens quoi? Hmm. 135 sur 360, 320 égale 120. Donc la 12e lampe. La 12e lampe? 135 sur 360? Pourquoi 135 sur 360? Et puis la 12e lampe à partir de... à partir de quoi? Pourquoi on voudrait la deuxième lampe, tu vois? Ah vous, oui, parce que vous voulez ça, vous voulez taper là-dedans. Bah si vous voulez, ok, on va faire ça, on va faire la deuxième lampe. Moi je dis qu'on cherche pas le 135, hein.
Moi, pour moi, on cherche le 185, donc celui-ci, ou plutôt son inverse cardinal, qui est je sais pas combien. L'inverse cardinal de 185, c'est quoi? C'est 5? Non, c'est moins 5, donc c'est 355. Mais y a pas 355 sur le truc en bas? Les calculs sont pas bons. Hein. Puis là, surtout, ça touche à des mathématiques, donc du coup, je suis un peu moins bon. 164,4. Désolé si j'ai foutu la merde. Non, mais t'inquiète, Prime, y a personne qui fout la merde ici. Hein. Tentec sur 360 fois 320, ça fait 164,4. En gros, on sait que le nord est là. Donc là, on a le truc de lumière. Et là, à peu près, on a l'endroit où on veut aller et mettre du jus. Donc là, on a sud. Sud-sud-est, on l'a fait. On a fait sud-sud-est. Je crois qu'on l'a fait lui. Hein. Après, on a sud-est. Est-sud-est. Et est. Ouest, pardon. Attends, du coup, j'ai fait sud-ouest. Sud-sud-ouest, on l'a fait. On n'a pas fait sud-sud-ouest. A priori. Et bah, c'est pas ça. Et eh bah, c'est pas ça. Et les pages disent quoi? Mais je sais pas si j'ai un inventaire en fait. J'ai beau bourriner toutes mes touches. Non, j'ai pas d'inventaire. Hein. J'ai pas d'inventaire. Oh bordel, tu peux y jouer si t'as pas de souris. Avec les touches. Oh, horrible. En fait, les pages bleues et rouges, je dois les foutre dans les livres des collègues syndiqués, mais dans le monde numéro 1 dans lequel on était au début. Et on peut pas y retourner tant qu'on n'a pas résolu le problème de ce truc-là, là. Pour moi, c'est 100% ça. Parce que ça se voit qu'il y a un gros câble qui a besoin d'être alimenté, et pour l'alimenter... Il faut reconduire l'électricité qui passe par la boule cardinale en bas, là, hein, via ça, quoi. Ça va être des allers-retours et des allers-retours. Hein. Donc on a fait... On a pas fait sud, mais ça, on s'en fout. Donc sud, on a fait sud-sud-est, on a fait sud-ouest. Est-ce qu'on tente est-sud-ouest ou alors on se dit carrément on tente ça quoi. Vu que c'est 0,5 qu'on cherche, le 0,5 il est probablement là ou là. Du coup c'est soit ça, soit ça. Non, donc là le sud-sud. Sud-ouest, c'est pas ça. Et si tu appuies sur la lampe qui est dirigée vers le câble. Quel câble? J'aurais bien tenté celui-ci du coup après. Et après j'aurais plus d'idées je pense. Genre lui là. La lampe qui est dirigée vers le câble. En bas là, là où il y a la table? Espèce de grosse machine chelou. En bas là? Et j'avais tenté la 12e lampe ou pas? Parce que ça se trouve c'est la 12e lampe et je suis comme un connard à pas avoir tenté votre solution alors qu'en fait c'était totalement ça quoi. Qui est dans l'océan. Ah! Je vois ce que tu veux dire. Vas-y mais du coup ça m'étonnerait que... Ils aient mis tout plein de trucs autour. Pour que ça fasse pas du tout partie de la solution en fait. Genre là. Ouais, le câble.
Ouais, mais impossible en vrai. Impossible de savoir vers où il est relié. Dans tous les cas, ça ne sera pas le deuxième parce qu'on avait vu qu'il n'y avait pas 35 boutons, tout à fait. Bon, je tente mon dernier essai, là. Donc j'ai tenté ça. J'ai tenté ça. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas sud, est, est. Je regardais une rose des vents et c'est bien sur 32. Ok. C'est bien sur 32, donc là-dessus on est bon. Alors pourquoi là-haut les... C'est-à-dire que c'est l'échelle. Et si on ramène 360 à une échelle de 32, enfin de 320 du coup, entre guillemets, qu'est-ce qu'on obtient? Ah ouais, c'est bien sur 32. Attends, oh! Ah, c'est pas exactement pareil en fait. Donc ça veut dire que si on veut le 180, qui est là, donc ici là, il faut le 17 ou le 18. Mais cela, on a déjà testé, je crois. Cela, on a déjà testé. Ah, elle est intéressante cette. Je sais pas si c'est de la triche d'avoir ça ouvert à côté. Non, je pense pas, je pense que t'as le droit. Imaginons que j'avais la connaissance, c'est pas de la triche. Si j'avais eu la connaissance. Et pourtant j'ai été marin. Vous savez que j'ai navigué sur Pendrick 3? Même ça revient au même. Ouais, ça revient au même de ce que j'ai fait quoi. De ce qu'on a fait même. Attends, mais ça se trouve c'est pas le nord. Attendez, mais le soleil il se couche là. Le soleil, ça se couche à l'ouest. Imaginons que le soleil, il va se coucher genre là, quoi. Donc le nord, il est pas là. Il est là. Donc ça veut dire qu'en bas, le nord, il est pas affiché par le truc qu'on croit. Ça veut dire qu'en fait, ici... Le nord... C'est pas ça. Ça, c'est le sud. Et ça, c'est le nord. Potentiellement. Non, vous pensez que je suis fou là? Ça y est, vous pensez que vous m'avez perdu. 135 degrés, du coup, pile, tombe pile sur SE. Mais SE, en prétextant que c'est ça, on va tenter le soleil. En fonction du soleil? Donc sud-est. Non. Mais du coup, faut tout retenter quoi. Ça vous dit pas vraiment, on fait une sauvegarde là Non. Non, mais t'étais nord-ouest là. Ah, sauf si on considère que le truc est inversé quoi. Et sud-est, on l'a déjà tapé dedans. Hein. Ah, sud-est. Ah, quoique. Sud-est, on a peut-être pas tapé dedans. On a tapé dans sud-ouest, mais pas peut-être pas sud-est. Sud-est, tu ne l'as toujours pas fait. La direction du phare. Donc pour vous, sud-est, c'est là. Hein. Ça, je l'ai pas fait, ça. Non, sud-est, pardon. C'est là. Hein. Pour vous, c'est ça. Hein. Allez, bâtard. GG. GG, les amis. GG, GG. GG, GG. Gros GG. Gros GG à Prime, Visitor et Druiza là. C'est vous hein, qui avez insisté là-dessus. Hein. Gros GG, les gars. Bon. Du coup. Ah, j'y croyais zéro, quoi. Fallait vous montrer le phare en fait. Ok. Donc sud-est. Biscotto. Donc là. Je tiens à dire que c'est l'ampoule vers la machine. Ouais, en quelque sorte, ouais. Je suis sur The Witness en ce moment, tu peux pas me test. Ah, The Witness, j'ai pas mal joué. Ouais.
jamais fini par contre. Merde, je me suis trompé. Là potentiellement on va pouvoir retourner à au premier monde. Je joue pas un jeu d'horreur. Pourquoi je flippe? Salut Pobagne, merci beaucoup. Bah là on vient de résoudre un qui était pas évident hein. Donc là maintenant on a la lumière. On a la lumière. Pour rentrer chez moi. Oui. Ah là là les amis, j'ai des allergies, c'est vraiment insupportable. Ah putain. Je vais me moucher. J'ai jamais fait le jeu mais j'avais vu la vidéo très sympa d'Edward. Moi je m'étais préservé justement de pas la regarder parce que je savais que je finirais par faire le jeu. Donc là on a des pages qu'on peut rajouter. Ah bah. Ok. Et alors attendez parce qu'il y avait un bouquin du coup qui parlait du monde dans lequel on était à l'instant là. Oh, vous imaginez si on l'avait lu? Emmett a été le premier à vivre sur les rochers. Il les a nommés les rochers parce que c'est exactement ce qu'ils étaient, un groupe de rochers pointus regroupés au milieu de la mer immense. Emmett vivait là et il aimait cette vie. Il nageait parfois jusqu'aux rochers voisins car il n'était jamais très loin. Un jour, une autre personne est apparue sur les rochers, sans raison apparente selon Emmett. Il a nommé cette nouvelle personne Brank. Emmett et Brank sont rapidement devenus amis, nageant et pêchant souvent ensemble. Emmett montra à Brank la grotte rudimentaire dans laquelle il vivait sur le plus gros rocher. Peu après, Brank découvrit l'endroit où il voulait vivre, sur le même gros rocher. Le soleil brillait toujours dans le monde, et l'eau était toujours d'une limpidité éblouissante, leur permettant de voir le fond de l'océan profond qui les entourait. Même si le soleil brillait en permanence, les garçons n'avaient jamais trop chaud. Une brise légère soufflait toujours au nord, et rafraîchissait l'endroit. Un jour, pendant que Brank nageait et s'amusait dans l'eau, il remarqua un autre garçon qui nageait. Brank amena le nouveau venu à Emmett pour lui trouver son nom. Un nom, pardon. Emmett dit que le garçon devrait s'appeler Will. Will fit bientôt partie du groupe, et les trois garçons nagèrent et jouirent de leur monde parfait. Tout du moins, c'est l'histoire qu'on m'a racontée quand je suis arrivé aujourd'hui sur l'île. Emmett, Brank et Will ont été surpris de me voir au départ, mais avant la fin de la soirée, nous étions tous en passe de devenir bons amis. Aujourd'hui, le deuxième jour de cet âge fraîchement créé, quelque chose d'étrange s'est produit. Ce n'était pas bizarre pour moi, mais les trois garçons n'ont pas compris ce qu'il se passait. Je me détendais sous un grand arbre d'une des îles rocheuses plus petites quand il s'est mis à pleuvoir. C'était une pluie agréable qui a duré environ une heure. Dans la matinée... Pardon. J'ai expliqué aux garçons que la pluie n'était pas dangereuse, mais il était évident qu'ils en avaient peur. Avant d'aller me coucher, j'ai dit aux garçons que je partirais le lendemain. Je leur ai dit que pendant mon absence, j'opérerais un changement surprenant dans leur monde. Ils n'ont pas compris. Le contraire m'eût étonné. Je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui. J'étais en pleine expérience avec l'art, à tester les limites des règles édictées par mon père. J'ai tenté de créer un bateau en l'écrivant dans le monde. J'ai cru voir tout planifié correctement. Pourtant, le bateau s'est retrouvé pris dans le rocher et s'est brisé en deux. Le résultat de cette expérience n'était pas celui attendu. Mais j'ai maintenant les réponses à quelques questions auxquelles mon père n'avait jamais répondu. Quant au bateau, je peux voir qu'il plaît aux garçons et j'en suis ravi. Ils ont joué dessus toute la journée. Même si le bateau ne peut pas bouger, j'aime étudier dessus. C'est une plateforme bien plus solide que les rochers saillants. Au cours de mes observations, j'ai appris des choses très intéressantes concernant le système solaire de cet âge.
Les nuits sont absolument magnifiques ici. J'ai noté et nommé un certain nombre de constellations qui passent au-dessus de moi. J'ai aussi repéré des lueurs à l'horizon et j'ai été incapable de découvrir si elles avaient été créées par un phénomène naturel ou d'autres personnes sur des îles ou rochers au loin. J'aimerais vraiment obtenir une réponse. Je suppose que ce sont d'autres personnes, ce qui expliquerait l'apparition de Brank et de Will. Aujourd'hui, la pluie était légèrement plus forte que d'habitude. Juste quand les garçons commençaient à s'habituer à la pluie fine, une petite tempête s'est déclenchée. Ils ont eu peur de la pluie plus drue. Sans parler du tonnerre et de la foudre. S'il n'avait jamais plu jusqu'ici, comme les garçons le prétendent, j'aimerais savoir pourquoi il pleut maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rentrer à la maison pendant quelques temps. J'ai aussi réfléchi au plan d'un phare que j'espère pouvoir construire. Je pense qu'en éclairant l'horizon d'une lueur forte, je pourrais valider mes soupçons concernant d'autres habitants. La lumière piquerait leur intérêt et ils viendraient essayer d'en découvrir la source, s'ils en ont les moyens. Je suis revenu avec plusieurs outils dont je vais avoir besoin pour la construction du phare. J'ai décidé qu'après l'avoir terminé, je partirai quelques temps pour laisser l'imagination du monde prendre le contrôle. Ça fait maintenant 3 semaines que nous construisons le phare et nous avançons bien. Le rocher sur lequel nous le bâtissons ne semble pas aussi sûr que je le voudrais. J'ai dû légèrement modifier mes plans, mais ces ajustements ne sont pas un problème. Les garçons sont assez forts et ils m'ont énormément aidé. D'après mes estimations, la construction devrait être finie dans 2 jours. Le phare est terminé et nous sommes tous fiers de notre création. Les garçons trouvent cette structure créée dans la roche et de leurs propres mains incroyable. Ce soir-là, nous avons mis en route le générateur qui faisait peur aux garçons au début. Et nous avons éclairé l'horizon d'une lumière intense pendant des heures. J'ai passé la nuit au sommet du phare et je me suis réveillé au petit matin pour observer le lever du soleil, enveloppé dans ma couverture refroidie par l'habituelle humidité venue de l'océan. C'est Will qui a vu la fille en premier. Elle nageait non loin du bateau où elle se préparait pour aller à la pêche. Puis Will a remarqué un homme près de la fille. Emmett était très heureux de rencontrer ses nouveaux voisins. Je suis heureux de quitter cet âge. J'ai déclenché des événements qui n'ont rien à voir avec l'écriture ou l'art, et qui auront un impact plus profond que sur ce que ce monde, que ce que j'aurais pu écrire. Oula. Donc ça, c'est évidemment bien ce qu'on avait vu, enfin là où on était, avec ici l'endroit pour changer l'eau, là. Tac, tac, tac. Là, c'est le phare. C'est l'âge Stoneship. Non, mais Alphabeta, tranquille, t'inquiète. Je considère cet âge comme un cadeau à moi-même que je vais emballer et que j'ouvrirai plus tard pour découvrir ce qu'il a tellement changé qu'il me surprendra vraiment. Et puis, un autre âge m'attend. Apparemment, je vais devoir trouver un moyen de voyager sous l'eau dans ce nouvel âge et j'ai beaucoup de choses à organiser. Ça fait 10 ans que j'ai quitté cet âge, que j'ai depuis appelé l'âge Stoneship. À mon retour, j'ai du mal à croire que tous les changements sont survenus. Les 3 garçons sont devenus des hommes et de nombreux visages me sont inconnus. Brank m'a dit qu'il n'avait pas plu depuis 7 ans et que la brise fraîche était revenue. Ils sont tous 3 très contents. Ils me servent de nouveaux aliments et me montrent de nouveaux matériaux qu'ils ont trouvés. On dirait même qu'ils ont trouvé de l'or quelque part. Je le vois sous différentes formes sur cette île. On dirait qu'ils ont fait leur possible pour conserver mon phare en parfait état. Mais je remarque que le rocher sur lequel il est construit s'est affaissé d'environ 40 à 50 cm. D'après une merveilleuse visite avec mes vieux amis, je me demande à haute voix ce qui aurait encore changé dans 10 ans. Et puis là, on avait les constellations qui nous ont servi à résoudre une autre énigme sur ce monde-là. Donc, ça on l'avait lu... On a passé un bon moment. Ça a été écrit par le père de Cyrus et Aknor. Ça a été écrit, je pense, par Cyrus ou Aknor. Et ça... Aussi, il faut qu'on le lise, hein, du coup. Et là, c'est ça, encore un autre âge. Ok, bon, on a plus que 2 livres à lire. Très bien. Mais avant ça, je suis curieux de voir ce que dit son frère.
charisme, mais... My retribution. Please bring me the blue pages. Pages, please. Ok. Atchoum. Bah les deux sont convaincants, hein. Ok. D'accord. Mais c'est Team Fortress Origins. Ici, on n'a pas besoin de venir parce qu'on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire ici. Et puis là, il y avait ça aussi. Regardez. Attendez, ça lag. Il y avait ça également. Ça. Alors là. Aucune idée de ce qu'il faut foutre, hein. Aucune foutue idée. Ici, il y a des nouveautés. Ça en a fait. Non, il n'y a pas de nouveautés. Ok. Ça, on a fait. Ça, là-bas, on n'a pas fait. Ça, qu'est-ce que c'est ? On peut pas lire. Pas lire la pierre tombale. Il y avait pas de pierre tombale tout à l'heure, si ? Si, si, il y avait une pierre tombale. Enfin, tout à l'heure, avant. Ok, en bas, il y a, rappelez-vous... le générateur. Dont on peut pas faire grand-chose, pour le moment, en tout cas. Puissance, puissance du vaisseau. Après, il y avait le l'horloge. On avait résolu l'horloge. Donc l'horloge, elle est là. On avait ça, on a résolu l'horloge. Après, il y a ici, pareil, on a résolu ce qui nous permet d'accéder à l'arbre et de descendre dans les profondeurs. Et il y a un livre pour accéder à un autre monde. On n'a pas réussi à accéder au livre. Donc, je pense qu'il faut qu'on poursuive notre lecture. Je pense qu'il faut qu'on poursuive notre lecture. Et ensuite, en fait, le jus qu'on va mettre là, là, va permettre d'alimenter, avec tous ces trucs-là, d'alimenter le vaisseau qui est là-bas. Le vaisseau, par contre, j'en ai aucune foutue idée de ce à quoi il sert, évidemment, vous imaginez bien. Donc on verra, quoi. On va aller lire le deuxième bouquin. Le troisième, pardon. Ça fait un moment que je n'ai rien entendu d'autre que le silence et ça me fait énormément de bien, je crois. Bizarrement, je ne me sens pas complètement le bienvenu dans ce nouveau monde. Mais comment ne pas être le bienvenu dans un âge sans habitants ? Ça ne peut venir que de mon imagination. Ce monde est magnifique, mais je crois que je n'ai encore jamais trouvé un âge horrible ou abject à décrire dans mon journal.
De la colline herbeuse où je me trouve, je vois des champs verdoyants en contrebas et quelques forêts ici et là. Un lac assez grand se trouve à une certaine distance, mais je vois clairement son eau bleue d'ici. L'air est frais et le ciel est parsemé de nuages blancs. Difficile de comprendre quand on n'a pas suivi. Je vais te faire un résumé après. C'est à couper le souffle pourtant. J'ai cette étrange sensation à nouveau. C'est peut-être la brise chaude qui continue à souffler du nord. Plus chaude que je ne l'aurais imaginé. Elle me brûle presque la peau et je me sens mal quand elle se lève. Je vais essayer de l'ignorer. Mais sinon, Droïsa, tu as la VOD de l'épisode d'hier. Ça dure seulement 1h30. Je vais essayer de l'ignorer. La nuit est presque tombée et le coucher du soleil est spectaculaire. Les tons orange et rouge se barrent à présent l'horizon à l'ouest. Même s'il fait nuit, l'horizon conserve une lueur rouge bien après le coucher du soleil. Les rouges foncés se mélangent au ciel noir. Encore ce sentiment. Et je commence à me dire que ce n'est peut-être pas mon imagination. Je dois dormir maintenant. Je vais avoir besoin de toutes mes forces pour explorer davantage demain. J'ai dû rentrer à la maison en raison d'un phénomène naturel, imprévisible et effrayant, tel que je n'en avais jamais vu. J'ai été réveillé par de terribles secousses sismiques et des explosions tout autour de moi. De gigantesques boules de feu tombaient du ciel et je suis parti immédiatement de peur d'y laisser la vie. Je dois me rappeler d'apporter un livre qui me relie à Myst quand j'y retournerai, au cas où celui que j'y ai laissé ait été détruit ou endommagé. Je suis revenu dans un monde bien différent de celui que j'ai quitté, il y a seulement 3 mois. Ce ne sont plus que de terres désertes et stériles parsemées pour varier d'énormes cratères. Curieusement, la petite colline verdoyante où j'ai passé ma première nuit est intacte, comme je l'avais trouvée. Apparemment, les météorites n'ont pas touché cette zone, laissant un oasis au milieu de cette terrible désolation. Le vent chaud de mes souvenirs est redevenu une brise assez plaisante, c'est au moins ça de gagné. Mais je crains que ce ne soit le seul point positif. Le magnifique lac que j'ai vu lors de ma première visite est désormais asséché, mais il y en a un autre maintenant, qui semble un peu plus grand. Je suppose qu'il a été créé par les météorites au vu de sa forme circulaire et de la roche protubérante qui en émerge au milieu. Le reste de ce monde semble être un désert, mais je vais quand même vérifier mes suppositions en allant l'inspecter de plus près. Si ce monde ne procure aucun intérêt visuel, il offre beaucoup à entendre. J'entends des sons incessants et j'ai trouvé d'où certains pouvaient provenir. Il semble que, comme le dit Catherine, je trouve de la beauté dans tout. Bon, ça c'est re le daron là. Cette nuit, un horrible sifflement m'a réveillé. Je transpirais et la chaleur était tellement intense que j'ai immédiatement plongé ma tête dans un ruisseau à proximité pour me rafraîchir. Les brises chaudes sont de retour, accompagnées d'un grondement sourd du sol. J'ai parcouru une petite distance à pied pour observer des flammes rouges qui jaillissaient de la terre. Tout à coup, le sol a commencé à se fissurer et une énorme faille s'est ouverte. Elle a continué de s'élargir jusqu'à ce qu'il soit impossible de la franchir. Puis le tumulte s'est calmé en ne laissant qu'un grondement étouffé. Mais j'ai décidé d'utiliser cette faille à mon avantage. Peut-être que sa chaleur peut être exploitée. Collecteur de chaleur, faille de lave. La faille a déchiré la surface de ce monde, mais elle a également ouvert tout un nouveau monde à explorer. Bien que la chaleur y soit difficilement supportable, j'ai découvert une grotte accessible dans la faille. J'ai maintenant exploré les profondeurs de la grotte, de la croûte de cette planète. J'y ai découvert un immense système de grottes souterraines qui prendront des années à cartographier et explorer. Je vais chercher un moyen plus sûr d'atteindre le souterrain que par la paroi de la faille. Cet âge semble changer tout seul. Je pense que je devrais partir à nouveau et voir ce qui aura changé à mon retour. C'est aussi important que j'aille voir Cyrus et Akonar pour m'assurer que tout va bien. À mon retour, j'espère pouvoir apporter les outils nécessaires pour explorer le sous-sol. L'abondance de matières premières ici commence à m'impressionner. Je suis revenu avec certains des outils complexes dont j'étais sûr d'avoir besoin. J'ai supposé que je devrais revenir pour plus de matières premières. Mais apparemment, il y a tout ce qu'il me faut ici. Bien entendu, le fer se trouve en abondance, mais j'ai également trouvé du titane à l'état natif. Cela me rend d'autant plus enthousiaste pour me mettre au travail. Tout semble en place et j'ai hâte d'être à demain. Mes matières premières sont toutes ici. Je pense que la majorité de mes ajouts à cet âge seront terminés d'ici un an. J'adore travailler de mes mains, que ce soit pour écrire ou pour construire. Aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur le pont et même... Bien, j'ai décidé de... 3 mètres ne suffiront pas pour soutenir les poutres, bien que cela dépende. Incroyablement résistant. Dont je suis le plus fier, je suis extrêmement... N'aurais jamais imaginé que le résultat serait si... J'ai des doutes. Pourrait fonctionner avec 14 au lieu de 8. Attendez. 14 au lieu de 8. Ça, je note. Complètement épuisé, je suis si content d'avoir terminé. Je pars aujourd'hui pour revenir avec Cyrus et Akenar. Je les ai laissés seuls dans l'âge Channelwood. Donc ça, c'est l'âge dans lequel on est actuellement. Non, pas du tout. Channelwood, c'est l'âge dans lequel on n'a pas réussi à accéder. Là, l'âge des arbres, là. Oui, c'est ça. C'est l'âge des arbres. Attendez, je me mouche. Je crois qu'ils apprécieront tout ce qu'il y a à voir ici. L'âge semble s'être stabilisé. Les météorites ont déclenché une période d'activité volcanique en perforant la croûte
superficielle, mais les secousses se font plus rares. Je viens de me rendre compte qu'une grande partie des pages de ces 18 derniers mois se sont bizarrement effacées dans ce journal. Heureusement, j'ai copié beaucoup de mes notes de construction dans un autre journal. Je ne comprends pas tous les mystères de ce monde. Mais je suis sûr que je trouverai des réponses logiques à mes questions. J'ai le sentiment que ce sera dans un autre endroit où j'espère me rendre bientôt. Mais pour l'instant, je dois simplement accepter les mystères de ce monde et être fier de ce que j'ai réalisé. Alors... Est-ce que quelqu'un s'y connaît en... algèbre. Si, c'est l'algèbre, ça, non? Je vais le reproduire, hein. Il y a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 touches. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il est bon au piano ou pas? Il est bon au piano ou pas? Est-ce qu'il est bon au piano? Il est bon au piano. Ensuite on en a... Une comme ça. Alors attendez. Hop. Ok, une deuxième là. Y'a quoi tout au bout du clavier? Ma souris. Hop, deuxième touche noire. Troisième touche noire. Hop. Ok. Ensuite. Il y a encore deux touches noires, mais entre les deux, il n'y en a pas. Donc une ici. Une autre là. Ensuite, il y a un espace où il n'y a rien, puis une autre touche noire. Oh, je m'étonne moi-même de ce talent de dessinateur découvert à l'instant, là. Une autre touche noire. Une autre touche noire. Et 3. Ensuite, rien. Puis, encore une touche noire. Et encore une touche noire. Et cette touche noire, c'est la numéro 3. 3. Ensuite, juste avant, celle-ci, c'est la 2. Elle, c'est la 4. Ça, c'est la 1. Et la 5, c'est elle. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, j'ai les 5 touches, j'ai le clavier. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Ok. Et ensuite, on avait le dernier journal d'un monde dans lequel on va aller maintenant, en fait. C'est parti. Avant d'arriver dans cet âge, je voulais absolument que ce soit un voyage dans un monde très différent de ceux de mes aventures précédentes. Et je n'ai pas été déçu. Ici, le ciel est sombre et gris, continuellement traversé d'éclairs au loin. J'ai rencontré un homme très âgé avec une longue barbe qui lui arrive à la taille. Il est très faible et éprouve des difficultés rien que pour se déplacer. Il est évident qu'il a vécu de nombreuses expériences dans ce monde étrange et j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a raconté une histoire intéressante concernant ce monde. Il y a des années, m'a-t-il dit, une ville magnifique avait émergé de l'eau. Ses murs accueillant de nombreux habitants qui ne manquaient de rien. Elle était entourée de 3 collines qui la dominaient. Sur la colline à l'est de la ville se trouvait un grand poste de guet. Les habitants de la ville l'avaient construit en anticipant que les visiteurs viendraient de l'est. Comme s'ils n'avaient aucun moyen de voyager sur l'eau, ils devaient simplement attendre de voir si les visiteurs seraient des amis ou des ennemis. Avec le temps, les visiteurs amicaux commencèrent à répandre des rumeurs concernant un ennemi au loin, au-delà de l'horizon. Les habitants prirent peur, mais il ne se passa rien. Un jour, la journée, habituellement ensoleillée, devint aussi sombre qu'en pleine nuit et de noirs navires apparurent à l'horizon. Les tentatives de résolution pacifique depuis le poste de guet furent rejetées et les sentinelles furent facilement vaincues. Les navires continuèrent à ravager la ville, détruisant apparemment tout et tout le monde. Après la destruction de ses fondations, la ville coula au fond de l'océan et seul le poste de guet resta. Les navires noirs repartirent tous. L'homme ajouta que 8 personnes s'étaient cachées et avaient survécu à l'attaque. 9 ans après, 2 des survivants étaient morts. Il a aussi dit que selon des rumeurs, 10 ans après l'attaque, l'ennemi reviendrait terminer son œuvre de destruction.
Depuis que j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai décidé qu'il serait admirable de sauver cette civilisation et de déjouer le plan de destruction de l'ennemi. Il me tarde de commencer cette aventure et je viens d'avoir une idée pour fournir la défense nécessaire à ces personnes. Aujourd'hui, j'ai rencontré les survivants et j'ai commencé à travailler sur un plan pour les protéger. Après une brève absence, je suis revenu dans cet âge avec mes deux fils. Jusqu'à présent, ils ont peu voyagé avec moi et ils sont naturellement très excités d'être ici. Ils ont bien grandi depuis Everdune et je sais que cette fois, ils vont m'être d'une grande aide au lieu d'être pénibles comme quand ils étaient petits. Aujourd'hui, nous avons entamé la construction tous les trois avec l'aide des quatre survivants les plus en forme. Nous construisons sur les ruines de la vieille ville qui sont parfaites pour servir de fondation à notre forteresse. Mes fils ont passé une grande partie de leur temps sur l'île du Sud, où la majorité de mes matériaux sont stockés. Leur intelligence me ravit et leur créativité est rafraîchissante quand je les regarde travailler sur les petits projets personnels. Ça fait plus de 4 mois maintenant que la construction avance bien. À part le ciel gris, mes fils adorent ce monde. Ils le détestent et me disent souvent qu'ils aimeraient qu'il soit aussi bleu que celui de Myst. Le vieillard à qui j'ai parlé en premier m'informe que l'ennemi devait arriver dans 4 mois. Je pense que nous serons prêts pour quand le moment viendra. Par bien des aspects, l'homme me rappelle Emmett et je me demande souvent comment ils vont, lui et son peuple. Ça aura pris donc 6 mois, mais nous avons enfin la fin de la forteresse. Elle s'élève entre les 3 collines qui ne sont maintenant plus que des îles en raison de la hausse du niveau de l'eau après l'attaque. Dans la forteresse, j'ai conçu un dispositif fascinant qui utilise une technologie nommée holographie. Et que j'avais commencé à tester lors de mes visites à Aspermer. Il fonctionnera dans quelques jours, une fois que j'aurai corrigé quelques petites erreurs de calcul. Le dispositif holographique permettra aux survivants d'apprendre à utiliser la forteresse. Alimentation, inclinaison des rails, ok. L'ennemi est attendu sous peu, et je suis convaincu que la forteresse nous offrira une protection suffisante. Ok, donc ça c'est les 3 îlots, et ça c'est l'île au milieu. D'accord, et là on a un rail autour. Les navires noirs sont venus, leur attaque a été sauvage, mais leurs armes ont été inefficaces contre la forteresse, et ils semblent avoir battu en retraite après leur défaite. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en regardant les navires s'en aller. Pavillon de navires noirs, donc ça c'est le pavillon des méchants. Hier soir, nous avons organisé une petite fête et les anciens survivants ont exécuté des danses d'autrefois. Mes fils ne comprenaient pas pourquoi le ciel n'était pas revenu à son bleu d'origine. Le vieil homme leur a dit que les tempêtes ne cesseraient pas tant que l'ennemi ne serait pas détruit. Je leur ai assuré que la mort était cher payée pour un ciel bleu et je crois qu'ils ont compris ce que je voulais dire. J'ai vécu une bonne aventure et j'ai commencé à travailler sur un nouveau livre. Encore une fois, je dois quitter un âge que je connais bien en quête d'un nouvel univers que j'ai commencé. Mais je vais d'abord passer un certain temps avec Catherine qui m'a beaucoup manqué. Je dois aussi retourner voir le peuple de Tid. Au cours de mes voyages, je pense avoir trouvé une substance qui soulagera la douleur des affections osseuses dont ils souffrent depuis si longtemps. J'espère retourner un jour à l'âge mécanical pour y trouver une population en pleine croissance et ma forteresse toujours aussi solide. Il est possible que le ciel reste sombre, mais je suis sûr que le peuple est soulagé de ne plus voir cette lourde menace planer au-dessus de leur tête. Ok. Des bisous, Slayer. Ok. On a tout lu, on a toutes les infos. Je pense qu'il est temps de partir en direction de cet âge dont on vient de lire le livre, c'est-à-dire Mechanical. C'est parti. Zébardi. Donc là, c'est l'âge dont on vient de lire le livre, donc c'est-à-dire avec les 3 îles, la forteresse au milieu. Zébardi. Ok. C'est quand même beau, hein. Donc là, on a un premier mécanisme. Y'avait pas un... Des bisous, Alpha Beta. Y'avait pas un truc comme ça dans le livre ? Nouveau monde, nouvelle aventure, nouveau défi, hein. Ok. Simulateur de rotation. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est un jeu d'horreur ou quoi là? Ah non, hein. Ah non. Ah, une tache bleue. J'ai l'impression que les pages, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus difficile à trouver. What's in the box? La tête d'un gougnafier. Je peux plus l'ouvrir ou pas? Non, je peux pas plus l'ouvrir. Ok.
et là je peux l'ouvrir ça? Non, pas du tout. D'accord. On va y ressortir s'il vous plaît. Cette pièce m'angoisse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Non, non, non. Laisse le truc là où il est. Les musiques sont ouf. Ah mais c'est un instrument de torture ça aussi. Non mais attendez, mais qu'est-ce que je joue là? C'est très longtemps que j'ai pas vu Seven, donc j'ai pas capté la ref. Navré. Napoléon, tiens donc, qu'est-ce qu'il fout là? Un bouton rouge. Une page rouge, très bien. Je sais pas combien de pages je dois trouver. Ah non mais à chaque fois je crois que c'est quelqu'un qui crie. Cyrus, ta cupidité me rend malade. Ton désir de richesse et de pillage n'est jamais satisfait. Je vais dire à mes sujets de ne pas payer ton nouvel impôt et tu sais qu'ils m'écouteront. Cordialement, Aknar. Ah oui, donc Cyrus et Aknar, ils se sont crêpés chignon. Hein. Aknar c'est le livre bleu et Cyrus c'est le livre rouge. Ok. Ça c'est la fusée, ça c'est le bateau. Ça c'est d'accord. Et là on a quoi là? D'accord, c'est très très joli, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Voilà, la triple angoisse. La triple angoisse. Ok. Ah, en gros, il faut faire tourner ça pour aller accéder aux autres îles. Et pour le faire tourner, j'imagine qu'il faut utiliser ce truc-là. Son de cloche de vache, quoi? Ça, c'est la puissance. Ah, c'était bien. Non, c'était bien. Attends. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Je suis même pas sûr. Pas du tout. Absolument pas, en fait. Absolument pas. Mais il y avait un document. J'aurais dû recopier le document. C'est un simulateur de rotation. Je comprends pas. Je sais pas, genre valider le truc et après ça bouge. Apparemment non. Et là-bas, il y a quoi? Attends, il y a un bouton là. Ah, bien vu Prime, ouais. Bah là, je suis peut-être en train de tourner l'île là. Attends, je suis en train de tourner ça là. Mais je peux pas y retourner. Alors attendez. Non, j'ai pas du tout tourné l'île. Genre zéro quoi. Aligne les symboles. Il y a des symboles alignés là? Ah oui! Ah oui! J'avais pas vu.
Ok. On sait pas trop où on va. Oui. Ah, j'aurais pu sortir. J'aurais pu sortir de l'ascenseur. Pas saut là. Attends, ouais, je vais le remettre. Je vais appuyer sur le centre et je vais sortir. Je pense pas qu'il peut. Il peut pas rien avoir, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est une magouille. Je reconnais la magouille. Et ça, c'est le mécanisme. C'est pour ça qu'il y a un simulateur. C'est pour apprendre à l'utiliser sans avoir la vision. Ça va être la bonne galère. La bonne galère. Bien comme il faut, quoi. La bonne galère comme on veut. Oh! Au pifomètre! Tu dois te chronométrer. Il y a de fortes chances, ouais. Au pifomètre, on a réussi. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce que tru? Je peux pas interagir avec? Ok. Aucune foutue idée. Alors que c'était là-bas qu'on aurait voulu aller, je pense. Hein. Ah, quoique, attendez. Faut que je note. Y avait pas des symboles un peu comme ça, genre au tout début? Note les symboles, ouais, ouais, ouais. Alors. Hop. Et ensuite. Oh là là, les amis, si vous voyez les dessins que je fais, quoi. Ok. Ok, c'est bien. Et ça s'inscrit dans un espèce d'engrenage et c'est en haut à gauche. Je sais pas si la position des cartes valent le coup, mais en tout cas bon, cette île là, on en a plus rien à foutre. Donc là, je vais aller calculer avec le simulateur qui est de l'autre côté. Comment je suis censé faire? Donc. Ok. Donc nous. On est... On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. 8 secondes, les amis. 8 secondes, les amis. Tu vas pouvoir devenir tatoueur de Samuel Tribo après tous ces streams. Je vais laisser le tatouage à des gens talentueux. Huit secondes, hein. J'espère que c'est un minimum aimanté, tu vois, genre... Peut-être qu'il faut pas être à la milliseconde près, parce que sinon ça va être l'enfer. C'est
C'est ouf, hein, parce que j'ai pu y jouer des dizaines et des dizaines d'heures à ce jeu quand j'étais petit. Hein. Je suis jamais arrivé là, quoi. Allez, allez, he's okay. He's fucking okay. Ah, cette fois-ci, ils sont à droite du... de l'engrenage. De l'engrenage. Alors, donc on a un espèce de cercle. Ouh là là, faut que je les fasse plus gros parce qu'en fait, j'ai même pas la place. Hop, donc on a un cercle avec trois triangles isocèles à sa base. Puis un deuxième avec un arc de cercle. Et il me semble qu'il y en avait 4 dans le premier truc, donc ça va être ça. Hein. Et là-bas, il n'y a pas d'île. Parce qu'il y avait 3 îles. Donc, on peut d'ores et déjà retourner là-bas, faire le code, et ensuite, on verra, quoi. Mais avant cela... Donc, il est là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense que c'est 8, hein. Attends, on va retester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 8 aussi, c'est logique, c'est totalement logique. Mais du coup, à quoi ça sert le truc en bas là? Aucune idée. Question, réponse, aucune idée. Zéro. Et merci. Ok, donc là, 8 secondes aussi. Are you ready? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ah tu vois, il a aimanté. Il l'a aimanté. Je l'ai senti. On est au bon endroit. Il a 100% aimanté. Les datari feront l'affaire, je vous en conjure. La deuxième manette, elle sert à quoi? À activer le mécanisme. Tu vois, ils vont mettre un escalier là, quoi. Donc, alors nous avons celui-ci, il est good. Ensuite, ok. Ensuite, ah, je l'avais. Ok. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, quand ça roule comme ça, là, quand c'est tout fluide. C'est pour rentrer à la maison? 100% pour rentrer à la maison. Ok, cet âge, il était méga facile, hein. Franchement, je veux pas dire les devs, mais c'était easy. Hein. C'était vraiment easy. Ok. Instrument. Allez, vas-y, dis-nous tout. J'ai rien compris. Combien? I ask of you. No. Since my brother Cyrus wrongfully imprisoned me within this book. Stupid scheme. Attends, c'est son frère l'a enfermé là-dedans. Qui a enfermé Cyrus dedans? Il a tout détruit sauf 4.
Bah le problème c'est que j'ai envie de voir les deux moi, donc du coup j'ai envie d'apporter les pages rouges. Il a piégé notre père. Oui. Ça va Gollum là, calme-toi. Du coup reprise de The Witness après Myst. Bah, le problème de The Witness on s'emmerde quoi. Ok. On va aller dans le monde des arbres après. Tu l'as déjà dit ça. Il en veut juste deux de plus. Ouais, j'ai un peu plus confiance dans le bleu quand même. Pas toi par contre. Ouais, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment d'être reward avec de l'argent? La cupidité ne m'intéresse pas, monsieur. Vous ne pouvez pas m'acheter avec... contre mon honneur. Impossible. Ok, bon. D'accord. Bon, bah on va aller au monde d'après. Donc du coup, ça veut dire que s'il reste deux pages, il reste deux mondes. Je pense que ça va être le monde forêt là-bas et le monde qui est là-bas. Donc après la forêt, faudra qu'on trouve le moyen d'ouvrir ce truc. Mais j'aimerais aussi trouver le fucking moyen d'activer ces merdes-là. Je n'ai aucune foutue idée de ce à quoi ça sert. Je surkiffe The Witness, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer et que ce soit chiant à streamer surtout. Par contre, c'est pas un jeu que tu peux reprendre. La progression dans ce jeu est comme un long raisonnement. Tu peux pas t'interrompre. En tout cas, moi, avec ma mémoire de merde, je ne pourrais pas. Moi, je pense que ça irait, mais il est vrai qu'à streamer, c'est compliqué, quoi. Allez. Vas-y. J'arrive. Hop là. Hop là. Je sais même pas à quoi il sert ce bouton là du coup. Vous savez à quoi ça me donne envie de jouer? Au jeu Viking. Je sais pas si vous avez joué à ce point and click Viking. Envie d'y jouer. Je pense qu'il a excessivement mal vieilli également. C'était avec des vrais acteurs. Après le croisade. Ouais, Viking était genre tu devais créer le bateau et tout et puis partir en mer avec le bateau. Je rêverais de retrouver le jeu là. Si quelqu'un peut me le trouver, je suis prêt à mettre 1000 balles. Il y avait les 5 CD. Il y avait 5 CD pour Viking. Ah oui, quand même. Ok, donc là on est dans un nouveau monde.
donc c'est de là que ça part, ça fait comme ça. Ça va jusqu'ici. Là, ça part dans les deux côtés. Donc soit ça part là. Ah, mais après, ça retourne dans l'eau. J'ai aucune foutue idée. C'est ça. Oui, c'est ça. Totalement ça. C'est totalement ça. Je vais pas pouvoir y jouer du coup. Il me faut Windows 95 ou 98. J'ai pas ça moi. J'ai pas Windows 95 ou 98. Oh, vous avez eu des chutes de FPS. Ah, le PC il aime pas avoir un jeu sous Unreal Engine qui tourne. Non, je fais autre chose. Hein. Il est pas fan. Hein. Il est pas fan. Bon bah je te dois 1000 balles, Gagaro. Et voilà, ça n'a plus qu'à le faire tourner sur Windows 10. Quoi. Où qu'on est là? Ah, c'est pour assainir l'eau peut-être. Oh, si c'est dans une démarche écologique, je suis partant. Hein. Et il y a des trucs de VR qui... Ah, tu me factures que 500? Mais c'est vachement sympa quoi. Par contre faut enlever ça. Hein. Donc là ça coule, 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 ça coule. Et ça arrive ici. Là ça va là maintenant. Ça va là. Ça va là. Et ça va jusqu'ici. Et là on n'a pas de... On n'a pas de... Ok, on n'a pas de levier ici. Je pense qu'il faut que je trouve un levier. Hop, ça, ça va là. Ça arrive ici. Donc là, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. On va tester à gauche. Là, l'eau, elle arrive là. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si je l'envoie à droite. Qu'elle arrive ici. Eh bien bonjour. Très bien, ok, d'accord. Donc là on a débloqué un truc. Si je retourne en arrière. Je vais là. Je fais ça. Ça va là. Là ça tombe dans l'eau et on n'obtient rien, d'accord. Là pour le coup ça sert vraiment à rien. De toute façon je me suis trompé. Oui mais de toute façon on s'en fout quoi. Ok. Ok, là pareil j'ai pas de... Ah. 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 Non ouais il me faut un levier. Il me faut un levier en fait. J'ai pas de levier. Je crois qu'il faut... Je peux enlever cette merde, non? Je dois pouvoir enlever cette merde en vrai. Afficher. Ouais, c'est enlevé. Ok. D'accord, d'accord. Ah ça va, on n'est pas obligé de remettre l'eau par là et de refaire le mot. J'ai eu peur là. J'ai eu peur là. Bon, ce monde fait un peu laguer le PC, on va pas se mentir. En même temps, bon, il y a des particules. Et là, pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là, il me faut l'eau jusqu'ici là.
Ah mais d'accord. Ah mais trop bien, mais j'ai été hyper intelligent du coup. J'ai anticipé sans le vouloir au bon endroit. C'est un très beau coffre café. Le coffre café finit depuis un moment quand même, mon cher Prime. Passe une bonne après-midi. Qu'est pas saut là. Ah yes. Ah yes. Nous sommes peut-être en train de résoudre l'énigme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est... Ok, d'accord. Donc pour rentrer, c'est par là. D'accord, donc j'ai commencé par la fin. J'ai totalement commencé par la fin. Et nous, faut qu'on aille là-bas, du coup. J'ai résolu l'énigme de fin, quoi. Je sais comment on va rentrer, mais je n'ai pas encore récupéré les pages. Ok. Je sais pas s'il y a autre chose à faire avec ces mécanismes d'eau, etc. Mais en vrai, j'ai le sentiment qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Il faut désormais que je trouve un endroit où aller. Genre une cabane. Une cabane. Par ça là-bas. Là, j'ai pas de mécanisme pour activer le truc. Si je ferme la porte, que je fais ça. Il se passe rien, je pense. Il se passe rien du tout. Il se passe rien du tout. Donc là-bas, il y a ça. Et là-bas, il y a autre chose. Ah ouais, mais le problème, c'est que si j'envoie la flotte ici, là, j'ai pas de levier. À moins que je doive trouver le levier quelque part, mais... Dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour passer en mode à l'ancienne. Ça. Je vais baisser un peu les graphismes le temps de ce niveau, je pense. Sinon, ça va être insupportable. Ah oui, c'est mieux. Oh, c'est un peu plus fluide quand même. Hein. On va pas se mentir. Non mais ici y'a rien à faire hein. Je pense qu'il y a rien à faire ici. Je vais vraiment essayer d'installer Viking sur un truc 98 là. Le truc c'est que Viking ça fait vraiment partie des jeux que j'ai fait quand j'étais gosse. Qui m'ont un peu marqué mais j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et juste le fait de retourner dedans et d'aller le finir, ça me ferait plaisir quoi. Peut-être que je peux enlever le levier de l'endroit là-bas où j'ai terminé quoi. Potentiellement. En vrai. Ça va pas être là. Et après on fait croisade alors. Vas-y. Vas-y, let's go. Ah non, reviens. Non, reviens. Bah oui, y'a plus d'eau. Bah forcément, ça marche plus. Quel abruti. Bon, c'est pas grave, on le refait plus tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout est sous contrôle, ne paniquez pas. Don't panique. Ça, je peux pas le prendre. Bah j'imagine que non. J'imagine qu'on en a besoin pour autre chose. L'eau elle arrive pas par là. C'est vraiment ça que je dois faire hein, je pense. C'est trouver des leviers. Après on peut emmener l'eau là. Je peux emmener l'eau là hein. Ça se trouve là pour ici y a pas besoin de levier. Et là-bas il y a quoi? Là-bas c'est ça, ok. Ah et il y a peut-être un levier là. Absolument pas. Totalement non. Ok, on connaît maintenant, on connaît.
ici je dois inverser. Là ça va aller à droite. Parfait. Là faut que ça aille à droite. Parfait. Là faut que ça aille à droite. Pas parfait. Attends, ça va à droite. On fait ça. Yes. Ok, en fait, celui-ci avait pas besoin de levier. Celui-ci avait pas besoin de levier. Merci Gagaro d'avoir trouvé le jeu. Merci, tu es très fort. Et très beau. Également. Donc là on est chez les Ewoks. C'est donc ceux. Mais il me faut les pages. Je suis venu chercher les pages. Je suis venu te dire que je m'en vais. Quoi? Y'a rien. La R. J'ai mis presque 8 heures à faire ma recherche Google. Bah bordel. Et ça, ça fait partie des trucs, tu sais, genre. Genre, je dis que je trouve pas, je dis que je cherche pas. Enfin, je dis que je sais pas si le jeu existe, etc. Et en fait, j'ai juste jamais regardé, quoi. Voilà. Voilà, si vous voulez toute la vérité, la voici. J'avais jamais vérifié si le jeu. J'arrivais à le trouver, quoi. Donc, quand je dis j'aimerais bien trouver le jeu, la vérité, c'est que j'ai pas cherché. C'est ça aussi l'avantage d'être streamer. Vous savez. Il y a aussi des avantages à être streamer, c'est-à-dire que moi parfois je me pointe en live, je me plains d'un truc et vous me trouvez une solution. C'est pratique, hein. C'est extrêmement pratique. Merci la commu. C'est un peu le bordel là. Y'a forcément un endroit où faut cliquer, j'ai pas cliqué, non, c'est pas ça. Je pense que si. C'est là que je suis monté? Absolument pas. Pas du tout. Ah! Ça file pas là. Il y a encore un étage. Ah, c'est pour monter. Again. D'accord. Donc là, c'est un mécanisme qui est relié à ça là-bas. On va aller voir ça. Allons voir c'est. Ok, gauche. Hop. Gauche encore. Joueur à gauche, de toute façon. Hein. Toujours dans la tendance, jamais dans la bonne direction. C'est par ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai ouvert la porte. Je pense qu'on peut désormais être heureux. Par là, c'est là d'où l'on vient, je crois. Si je ne m'abuse, oui. Je ne m'abuse pas. Ça, c'est un vrai labyrinthe, là. Hein. Rappelez-vous, labyrinthine, c'est moins pire. C'est moins pire, et c'est plus joli aussi. Merde. Dans la pyramide, tu te fais quand même bouffer le huc par des monstres, quoi. C'est bien ça le problème. Ah ok, ça donne un escalier. C'est bon. Ok, mais moi j'ai. Je dois réorienter, vous pensez encore là? Ça me paraît. Ça me paraît être une malversation. Bah non, parce que ça va monter, bien sûr. Là, ça monte là. Ça monte! Silence, ça pousse! Incroyable. Là, les énigmes sont vraiment plus faciles. Hein. Je trouve, en vrai, no joke, les premières énigmes, premier monde et deuxième monde, c'est vraiment les plus difficiles. C'est vraiment les plus difficiles. Ah,
Après bon, je suis pas encore arrivé au dernier. J'ai pas encore réussi à débloquer le dernier. On va aller par là d'abord. Donc ça c'est le monde Channelwood dans lequel c'est le premier monde où sont allés les deux frères là. Je me demande si la 3D rend le jeu objectivement plus simple. On peut regarder à gauche et à droite ou plus compliqué. Il faut prévenir pour les screamers les amis. je pense qu'un peu les deux. Parce que typiquement... quand t'es sur un plan fixe et que tu glisses ta souris sur les éléments du décor, tu sais sur quoi tu peux toucher, tu vois. Sur quoi tu peux cliquer, pardon. Pas nécessairement lorsque t'es en 3D comme ça. Là, potentiellement, je peux cliquer partout. Tu vois, si par exemple, si en plan fixe, ce pont se faisait en deux fois, tu pouvais imaginer qu'à la moitié du pont, il y avait quelque chose à choper. Alors que vu qu'ici, tous les ponts se font de la même manière, tu peux pas savoir s'il y a un pont parmi tous les ponts qui va te débloquer quelque chose au milieu, tu vois. Et dans ce genre de contexte, ça peut être compliqué. La page bleue. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui, moi aussi je parle orc. C'est un youtubeur, il fait des zooms sur sa bouche. Ah! I hope I pushed the right button, my dear brother. C'est Cyrus. Very interesting device you have here. I'm not erasing anything important, am I? Oui, parce que j'ai un bon sens de notation. Donc ça va vraiment, je pense, ça dépend. Ok. Donc là, c'était la chambre d'Akenar. Très bien. Donc Akenar, il s'enregistrait. Je me disais bien que c'était lui. Il s'enregistrait là-dessus, là. Ah, c'est... I hope I pushed the right button. My dear brother, what a very interesting device. Ils se sont fait des crasses ces deux-là, ouais, totalement. Et a priori, pour l'instant, de ce qu'on sait, j'ai l'impression que c'est plus Cyrus qui a fait des crasses à l'autre. Hein. On va aller voir la chambre de Cyrus justement. En tout cas, ils s'étaient mis doux, hein. Ils se sont mis tout en haut, dans les plus belles bâtisses. Que ça. Coffre-fort de mist. Ah, c'est la deuxième partie du message qu'on avait trouvé. Qu'on avait trouvé dans quel âge? Oh, faut que je la note et faut qu'on retourne dans l'autre âge et qu'on lit les deux messages, je pense. Et ça doit être beaucoup trop important. Si on trouve la deuxième partie du message, c'est que c'est beaucoup trop important. Est situé à la vue de Mist et il est facile en suivant c'est les tout d'abord virgule levier de repérage. Ça va peut-être nous permettre d'activer le dernier monde. Activer chacun des tournées sur le quai. Retourner sur le quai probablement. Étape consiste à levier de repérage qui s'y trouve probablement. Y trouve. Ok. Ça ressemble à rien, mais ça ressemble quand même à quelque chose. D'accord, d'accord. Nous, on veut la rouge. Elle est là. Parfait. Donc là, on a toutes les pages du monde, donc on peut se barrer. Barrons-nous.
On va pouvoir descendre par là directement. C'était dans quel monde déjà? Le monde du bateau. Donc il faut que j'aille dans le bateau. Et qu'on bouge l'eau pour accéder à la chambre de l'un des deux zigotos et avoir accès au reste du message. Ok. Nice. Est-ce que je peux redescendre? Je peux descendre par là, c'est parfait. Vraiment bien foutu le jeu quand même. Hein. Et là pour le coup, il n'y avait pas vraiment d'énigme sur celui-ci en fait. Enfin, si. Je pense que pour quelqu'un qui a un mauvais sens d'orientation, c'est beaucoup plus difficile. Et pour autant, l'énigme d'avant, bah pour quelqu'un qui est meilleur en maths que moi, bah c'était beaucoup plus simple quoi. Donc, c'est vraiment en fonction. Et ça, je trouve ça cool. Et ça, je trouve ça cool. Parfait. Là, faut que je monte encore. Je change ici. Là, je l'envoie à droite, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, parfait. Là, faut qu'il parte à gauche. Voilà. Là, je peux y retourner. Et là, on peut jouer, mon pote. Bah, les amis, j'ai le sentiment qu'on va peut-être pouvoir réussir à finir le jeu lors de cette session. Hein. En vrai de vrai. La vérité. Je vais remettre le jeu en full graphisme aussi. Je crois qu'on sera sorti d'ici. J'ai envie de manger des bonbons qui piquent, là. Ça pique là! C'est bon. Par contre, là, ça va être remonté, ça va encore être casse-couille, hein. Ah non, c'est bon, je reprends directement ici. Très très bien. Est-ce qu'on va directement voir la suite du message? Je pense qu'on va aller directement voir la suite du message avant de donner les pages aux deux types là. Parce que la suite du message m'intrigue beaucoup trop. J'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir. Il y a encore l'électricité du coup? Ah mais non, mais du coup l'électricité elle a été réparée, il y a tout le temps l'électricité maintenant. Incroyable. En tout cas l'eau se retire extrêmement vite. Là c'était la pire, hein. Franchement. Après je pense que ça soit, elle est logique hein, l'énigme, mais moi j'ai galéré. Hein. Non c'est pas celle-ci, c'est l'autre porte, l'autre chambre. C'est l'autre chambre. Ok, nice. C'était là, hein. Je sais pas. C'était là. Alors là, je vois rien, par contre, les frérots. D'accord. Non, mais. Tu me fais jouer gueule ou quoi là? What? C'est parce que je suis pas en max graphisme. Vous êtes pour ça. Ça se trouve, hein, t'imagines? Non, mais t'imagines, c'est ça, c'est. C'est une blague. Il se droguait le bleu, non? J'en ai aucune idée. Je crois pas. Hein. Attends, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette malversation là? Bon, bah on va le lire comme ça. Le coffre-fort est situé à la vue de tous sur l'île de Myst et il est facile
d'y accéder en suivant ces instructions simples. Tout d'abord, trouver chaque levier de repérage. C'est les gros leviers là qu'on a vu là. Chaque levier de repérage sur l'île. Non, c'est le rouge qui se drogue. Le kit du parfait petit drogué, c'était chez le rouge. Activer chacun des leviers. Puis, virgule, retourner sur le quai. La dernière étape. Consiste à désactiver le levier de repérage qui s'y trouve. Levier de repérage. C'est pas le premier truc qu'on voit là au début là. Schéma de levier de repérage. On avait trouvé un truc comme ça. Donc ça veut dire, le coffre-fort est situé à la vue de tous sur l'île de Myst et il est facile d'y accéder en suivant ses instructions simples. Tout d'abord, trouver chaque levier de repérage sur l'île, activer chacun des leviers, puis retourner sur le quai. La dernière étape consiste à désactiver le levier de repérage qui s'y trouve. Ok. J'ai envie de faire ça. Avant d'aller leur donner des pages, j'ai envie de faire ça. Peut-être qu'on va avoir une information complémentaire qui va nous permettre de... peut-être de découvrir quelque chose ou... je sais pas. On va bien voir. On va bien voir. Ok, donc ils ont dit trouver tous les leviers et activer les. Ok, donc. Les activer, j'imagine que c'est les abaisser, hein. Ça va pas être les monter. Quand t'actives un levier, tu l'abaisses. On est d'accord là-dessus. Je suis pas complètement... Hein ? Voilà. Je dis pas n'importe quoi. Là, lui, il est déjà abaissé. Lui, il est pas abaissé, je vais l'abaisser. Il a fait un bruit, wesh. Non, c'est rien. C'est rien. He's okay. Lui, on va l'abaisser. Non d'accord, ils font tous du bruit en fait. Lui. Voilà. Lui. Voilà. Il y en a un autre là-haut, je crois. Ok. Il dit activer chacun des leviers puis retourner sur le quai. La dernière étape consiste à désactiver le levier de repérage qui s'y trouve. Il y avait ça aussi, rappelez-vous. Rappelez-vous. Levier de repérage, c'est 47. J'ai jamais compris à quoi ça servait cet endroit, mais tu vois, bam. Levier de repérage. Tac, tac. Je désactive peut-être en appuyant là. Je n'ai aucune foutue idée de ce que je suis en train de foutre là. Absolument aucune. Non, merde. Ou alors c'est que j'ai oublié un levier. Bon. Un levier là. Non.
Peut-être un levier là, il est activé. Boah. Boah. On va aller voir ce qu'ils ont à me dire. Je pense qu'ils sont tous les deux guilty de quelque chose. Et que c'est le daron qui les a foutus là-dedans, peut-être. Un bon père, ça. Quatre mondes restants. Ah, le père est mort en fait. Le daron, il est cané. Il parle au pluriel des pages, alors que normalement, si le compte était bon, il en restait plus qu'une. Les pages bleues restantes. Il n'y en a pas un pour me convaincre plus que l'autre. Hein. Le seul truc qui me fait que Sirius il a l'air moins sûr, c'est qu'il est rouge quoi. Genre c'est un site. C'est un site, c'est tout. Salut Alonora, comment vas-tu? C'est un plaisir de te voir. Ah oui, on est vendredi, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, bon week-end à toi, Lenora. En vérité, rien ne prouve que l'un des deux mente plus que l'autre, en fait. Dans quoi? C'est tout? Mais oui, tu vas me donner de l'or, des trucs, des machins. Je m'en fous, moi. Je suis pas achetable. Je suis pas corrompu, moi. Je suis pas corrompu. Ouais, mais au moins, lui, il veut me raconter un truc, alors que... L'autre... Ah, donc, quand j'appelle pour me plaindre d'EDF, c'est chez toi que je tombe. Attends, mais il y en a plus que deux, là. Pourquoi il y en a plus que deux? C'est à cause des leviers, vous pensez? Sur toi que je peux tomber, incroyable. C'est ça peut-être que je désactive? Tu connais bien le métier, t'as toi aussi un téléphone? Fais réfléchir. Ah ouais. Go faire l'infer, c'est tous les lever du coup. Bah ouais. Bah ouais. Totalement. Sauf lui, du coup. Alors attends. Tac, on monte tout. On monte tout!
Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a des endroits que je suis pas allé checker sur les coordonnées. Après la bibliothèque avec l'ascenseur et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Catherine, je t'ai laissé un message de la part de la plus haute importance dans notre antichambre à côté du quai. Pour le récupérer, tu dois saisir le nombre de leviers de repérage qu'il y a sur l'île dans l'imageur. Bien à toi. 1, 2. 3. Du coup, ça veut dire que j'aurais pu voir le message à Catherine depuis longtemps, quoi. Ça fait 4. 5. 6. 7. 8. Il n'y en a pas un scred ici, pas du tout. Donc là on a 8 a priori hein. Le compte est bon. Le compte est bon. Et là du coup... Ah oui d'accord. Oui c'est beaucoup plus clair là. Et ça on n'a jamais vu ça. Ça là. Je veux aller voir. Je veux aller voir. Montrez-moi. Montrez-moi. Je veux voir du coup là. Parce qu'on avait trouvé plusieurs trucs. On avait trouvé clé 240, 221. On avait trouvé des dates. On avait trouvé un code. Go trouver d'autres choses en fait. Ah ah. 59 volts. 59 volts. Et c'est parfait parce que j'ai besoin d'un voltage. Justement pour ouvrir le vaisseau. Incroyable. J'ai pas été très fut-fut, hein. J'ai pas été très fut-fut. Nice. Je suis plutôt bien heureux, là. Tout se goupille. Ok, y'a quoi d'autre qu'on avait pas chopé ? Attends, c'est où ? C'est là. Celui-ci ? Parce que du coup, c'est les trois âges. 1, 2, 3. Celui-ci, on l'avait fait aussi. Hein. Ok, donc non, ils ok. Y'a rien au milieu ? Non. Donc y'en a 8. Il faut qu'on aille taper 8 sur le. Oui, 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 pour avoir le message de Catherine là. Ah, attendez, parce que là, si je désactive ça, ça va faire un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Found the white page. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, si je fais... Parce qu'il y a forcément un truc dans chacun des leviers de repérage, non? Pas du tout, je pensais pas. Je suis fou, peut-être. Là, faut que je mette 8. Cirrus as well. I should have known not to have left my library unchecked for so long. I've removed the remaining undamaged books from the library and placed them in the places of protection. You shouldn't have to use the books until I return, but if you've forgotten the access key, remember the tower rotation, and don't worry, Catherine. Everything will be fine. I'll see you shortly. And erase this message after you've viewed it, just to be safe. Donc en fait...
J'étais supposé découvrir ce message dès le début et j'aurais su pour la tour qui tourne. Putain, heureusement que j'ai découvert la tour qui tourne par le fruit du hasard. Ok. Attends, mais est-ce que ils ont tous un compartiment? Ils ont tous un compartiment? Et du coup, les 59 volts. Les 59 volts, c'est à placer dans le truc de générateur pour ouvrir. On va aller le faire, là, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais la page blanche, je dois bien pouvoir la foutre quelque part. Non, ça la proc pas. Faut que je trouve le livre blanc, du coup. Il y a un truc à chaque fois, hein. Bon. On va aller mettre les 59 volts. Cinquante-trois, 55, 61. Oula, beaucoup trop là. Oh, 59. J'ai réussi. Et là, je vais pouvoir activer les trucs. Pas du tout. Absolument pas. D'accord, d'accord. Me voilà vraiment bien avancé. What the fuck? Ça me semble bizarre l'autre chiffre qui est à zéro. Bah, le premier chiffre c'est puissance et le deuxième chiffre c'est puissance du vaisseau. Regardez, c'est marqué là. Je comprends pas. Il doit y avoir un truc à proc. C'est là, on a le bon voltage là. Mais enfin, j'ai le bon voltage. Bah, je dois péter un câble là-dessus, là. Alors, attends, peut-être que je peux trouver les pages. Les boutons correspondent à ce que tu as derrière la vitre? Non, les trucs à gauche sont à droite et pas les mêmes. Je crois pas. Hein. On peut retourner essayer, mais... On va tester un truc. Peut-être qu'il y a une page à chaque fois. Pas du tout. Absolument pas, en fait. Si j'activais ce que tru à partir de là. Y'a quoi là? La R. Y'a deux activés. Les boutons correspondent à ce que tu as derrière la vitre. Les trucs à gauche et à droite sont pas les mêmes. Ouais, mais le problème c'est que. C'est tout le temps zéro, quoi. Tu vois, quoi que je fasse... Ce sera tout le temps zéro. Regarde, les lumières des boutons, c'est un moyen d'addition et de soustraction. Il y a sûrement plusieurs moyens d'arriver à 59. Des fois, il y a des éclairs. Lui, il proc pas d'éclairs. Lui c'est 10. Alors attends. On va les noter.
Donc, nous en avons. On en a 10. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et là sur le teco, il nous explique que c'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Celui tout en haut à gauche, il compte pour 10. Ok. Celui, le numéro 6, compte pour 1. J'espère que c'est toujours le cas. Si je fais ça, ça va faire 11 totalement. Ok, donc ça me semble legit. Celui-ci fait 7. Ok. Celui-ci fait 2. Ok. Celui-ci fait 8. Le numéro 3 fait 8. Attends. Je vais avoir du mal à me relire. Celui d'à côté, il fait 22. Ok. Celui-là fait 16. Celui à droite fait 19. Ok. Lui, il fait 5. Et le 10, combien il fait? Et le 10 fait 9. Ok. Donc, de en haut à gauche à en bas sur la première colonne, puis de en haut à droite à en bas sur la deuxième colonne, nous avons 10, 7, 8, 16, 5. Ensuite, colonne de droite, 1, 2, 22, 19, 9. Tu vois, si tu fais 8 et 22, ça fait 30. Attends, quoi? Ah non, il y avait ça, pardon, j'avais pas vu. Donc 8 et 22, ça fait 30. Plus 19, ça fait 59. Non, ça fait 49. Bah non, je suis débile, ça fait 49. Et nous, on va faire 59. Donc si je rajoute 10, ça fait 59. Là, j'ai 59. Alors, pour faire 59, 59 égale le 1, le 3, le 8 et le 9. Ça, a priori, ça marche pas. Mais pourquoi? Ok, je peux faire 59 avec quoi d'autre? Faut trouver toutes les combinaisons, en fait. En fait... 5 à 9, 14 et 16, 30. Donc faire ça. Et 16. Et 19. Et 10. Ça refait 59, mais genre... je ferme. Là, j'avoue, je comprends pas trop là. Là, j'avoue, j'avoue les amis, là, je suis complètement circoncis là. Je suis complètement circoncis. Est-ce qu'il y a une question? Les éclairs sont pas tout le temps là, c'est ça qui m'intrigue. On va voir si c'est aléatoire ou si c'est suite à une addition de trucs. Tu vois, genre... Ok, pas d'éclair. Pas d'éclair. Pas d'éclair. Pas d'éclair. Ok, j'ai l'impression que tout seul, il proc pas d'éclair. Salut Coinzel. Non, pas encore, pas encore. On n'est pas encore assez en galère pour avoir besoin d'un coup de pouce. Mais merci de la proposition. Non, non, en plus on est vers la fin du jeu, donc ce serait bête de se spoiler maintenant, alors que jusqu'à maintenant, on a tout réussi de manière legit. Par contre, si j'active les deux premiers, bon courage alors. Ah ouais, j'y suis pas du tout, quoi. Si j'active les deux premiers, ça fait 11 et on a eu une éclair.
Est-ce qu'on l'a toujours? On l'a à chaque fois. Okay. Si j'active les deux tout en bas, on a aussi un éclair. Ah mais attendez, je crois que je comprends. Ah j'ai compris. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. En fait, le problème que j'avais, c'est que, en fait, tu peux pas. Tu dois avoir les deux en fait. Je pense. Faut faire des paires reliées. Exactement, visiteur. Donc je peux pas par exemple dire vas-y ça fait 59 en ayant un truc là et deux trucs là, tu vois. Parce que du coup personne est relié à personne. Du coup il faut que j'arrive à obtenir 59. Donc par exemple en ayant une paire, donc là ça fait 11 plus par exemple 9, ça fait 20. Ok, on est content. Plus par exemple 16 et 19 fait 35. Ça va pas nous aider. Par contre, le 16 et 19, je pense qu'on va en avoir besoin. Par exemple, là, on a 11. 11 et 30. 41. Là, il nous faut 18. 18, j'ai pas. 5 et 9, ça fait 14. Ça fait 55, c'est pas suffisant. Attends, il faut que je vois les paires, ce qu'elle représente. Ça fait 11, 9, 30, 25 et 14. Donc pour avoir un 9, je peux faire 25 et 14, ça fait 39. Et 30, ça fait 69, donc c'est pas assez. Oui, il faut bien atteindre la puissance nécessaire pour alimenter la fusée, ni plus ni moins. Oui, on est bien d'accord que c'est 59 volts. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé comme information. Là-dessus, non, mais là-dessus, en vrai, j'ai pas de doute. Hein. J'ai pas de doute. Hein. Et si je fais... Alors, attendez, 11 et 9, ça fait 20. 20 plus 39. Oh, j'ai trouvé. Pas du tout. Oh, j'ai 10 de trop. J'ai 10 de trop. J'ai 10 de trop. J'y ai cru. Mais non, mais de toute façon, ça peut pas marcher. Alors, 11 et 9, ça fait 20. Et 30, ça fait 50. Et après, c'est trop. Les maths et toi, ça fait 2 apparemment. Le premier, c'est 11. La première ligne, ça fait 11. En fait, la première ligne, t'as 10 et 6. Non, pardon, t'as 10 et 1. Ça fait 11. La deuxième ligne, t'as 7 et 2. Ça fait 9. La troisième ligne, t'as 8 et 22, ça fait 30. La quatrième ligne, t'as 16 et 19, ça fait 35. Pourquoi j'ai mis 25? Quel abruti. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Et ensuite, t'as 5 et 9, ça fait 14. Donc 35 et 14, 49, il me faudrait un 10, j'ai pas. Euh, 30 et 35, ça fait 65, c'est trop. 30 et 14, ça fait 44. Et 11, 55, c'est trop. Et 53, pardon, c'est pas ça. Ce que je comprends pas, c'est que la première fois que j'étais venu ici, que j'avais bidouillé, ici, je suis prêt à mettre ma main à couper. Je suis vraiment prêt à mettre ma main à couper. Qu'il y avait... Que ça a écrit des trucs. Plus dur que Dark Souls. Vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper. Hein.
Alors, quand est-ce que j'y suis allé? Ah, voilà. Là, j'y vais pour la première fois. Là, je vais bidouiller. Je suis prêt vraiment à mettre ma main coupée que ça a bougé les deux. Je mettrai ma tête au feu. Tu vois? Ça bouge les deux là. Comment ça se fait? Et là, bam, ça a arrêté. Comme si j'avais fait une manip qui avait niqué quelque chose, tu vois. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la commande YouTube, hein. Mais tu sais, comme si j'avais activé le mauvais truc, quoi. Remets tout à zéro et va faire l'interrupteur dehors. Ah, tu penses que... Ah, j'ai court-circuité. J'ai court-circuité et du coup... ça... Je peux plus mettre... Puis revient et ne dépasse jamais 59. Tout à fait, ouais. Bah non. Ah, peut-être faut d'abord mettre lui. Absolument pas, les amis. Absolument pas. Ouais, peut-être que c'est lui. Comment on appelle ça déjà? Un levier de réapparition, je sais pas quoi. Peut-être que ça reset l'énigme. Peut-être que ça reset l'énigme. Ça reset peut-être l'énigme. Donc 1 plus 3 plus 8. Donc le 8 il est là. Plus 9. Ça fait 59. Ok. Ah donc en fait... Les leviers qui sont devant les énigmes, ça là, c'est des leviers qui reset. J'avais pas compris. Oh bah apparemment ça fonctionne. Ça c'était pas un peu du spoil par contre. Bah non parce qu'il a pas joué au jeu. J'ai. Alors. 1. La 1, c'est ça. Peut-être qu'il faut faire beaucoup plus vite. Oui, j'étais pas loin. Non, mais j'allais finir par découvrir en bidouillant les leviers dehors, quoi. Je pense. Ah, faut reproduire ce qu'on entend là. Oh l'enfer. Alors attendez, le 1 c'est quoi du coup? Ça me paraît ça? Je suis très mauvais musicien. Moi, j'ai fait du rap, les amis, hein. Pas du solfège, hein. Ça me paraît pas mal. Ok, la 2. C'est plus aigu, hein. C'est plus aigu, hein. Ah,
On va pas là, hein. Après... Attendez. Parce qu'il y a peut-être le même nombre de crans qu'il y a de... Attendez. Je crois que j'ai une manière de passer outre. Ah bah non, parce qu'elle est noire aussi. Oh là là, l'enfer. Pardon. Go couper le son. Ah non, non, vous allez... Ah non, 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 vous allez passer un bon moment avec moi, hein. Je vais pas passer le moment tout seul, hein. Ah non. Ah, désolé. On va partager ce moment ensemble et on va aller jusqu'au bout. Ok. Ah mais attendez, j'ai une idée. Est-ce que j'ai le droit ? Attendez. Pourquoi ça marche pas ? Je peux pas enregistrer le son du jeu dans mon sample. Oh dommage. Ça aurait été tellement plus facile. Donc lui il est forcément un peu plus aigu quoi. Ah mais il est pas aussi aigu hein. Il est comme ça je pense. Vraiment hein. No joke. No joke. Et le 4 il est là. Ok. Oh c'est lui. C'est lui. Il est déjà au bon endroit. Et le 5. Quoi? Quoi? Comment ça? Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti ou pas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut Bonobo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le 2, c'est 20. Même les noirs absentes si tu veux faire ça, tu penses? Je sais pas, on va voir. Et la 3 c'est 20, 21, 22, 23. 20, 21, 22, 23. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! J'ai réussi. Merci pour le soutien. Merci. Bon, les derniers mondes, les amis. Le jeu est vraiment magnifique, hein.
J'aimerais vraiment qu'ils fassent les qu'ils remasterisent les suites aussi, parce que du coup je vais avoir envie de faire Myst 2 quoi. Et Myst 3, et Myst 4, et Riven, et Tutti Quanti. Ok, donc là il manque un haut-parleur je pense. Oh, c'est pas pour moi ça. Ça c'est pas pour moi ça. Je pense qu'on sera pas obligé de la résoudre si. Riven c'est Myst 2, ah ok. Moi vous savez... Oh la page bleue déjà. Après les pages c'est jamais ce truc le plus compliqué à trouver, c'est surtout surtout la sortie qui est compliquée à trouver. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette merde? La série The Room est bien aussi. Il y avait un jeu que j'avais fait sur DS qui était incroyable aussi. Qui s'appelait Nine Doors, Nine Characters and Nine Murders, je crois. Incroyable. C'était vraiment fou. J'avais grave kiffé. Mais ça fait partie des trucs, t'as trop le seum quand tu l'as fini parce que le plot twist final fait que bah tu pourras jamais ravoir la saveur. C'est un horaire ça. C'est un horaire où je ne m'y connais pas. Il me faut une feuille blanche. Feuille blanche! Alors celui-ci, on a 1, 2, 3, 4. Et nous avons une branche qui fait ça. Et une branche qui fait ça. Oui, 2 heures, oui. Vous avez compris. Hein. Pas le même horaire que là-haut d'ailleurs. J'aurais dû dessiner aussi le premier qu'on a vu. Ça m'a l'air d'être parfaitement compliqué ces énigmes là ici là. Cool. Parce qu'en vrai le deuxième monde et le troisième... Non le troisième monde on a... C'est un peu trop facile. Ok donc là on a une espèce de cristal qui sort un peu du cul. Oh là là, le génie du dessin quoi. Nine person, nine doors. Ok, il est sur Windows apparemment. Ah oui, il est sur Windows maintenant. Arrête, c'est vrai. Attendez, je suis désolé hein, mais je vérifie parce que... Nine hours. Tu vois, c'est quoi cette... Mais c'est la pire page Wikipédia là. Voilà. Il est que sorti sur DS je crois. Hein. Normalement. Qu'est-ce que cette merde? Je suis où? Je suis tombé dans les tréfonds là. Ah voilà. Un portage iOS est sorti en 2013. C'est le premier jeu de la série Zero Escape. Apparemment il est pas sur Windows. Hein. Il est sur iOS. Mais vraiment, hein, je vous conseille de le faire. Il est ouf. Oufissime. Oufissime. Ok, donc là on a... un obélisque. Est-ce que du coup ça éteint les autres? Non, il n'y a pas d'ordre a priori. On a les deux pages. Attends, faut se barrer. Oula! Oula là, qu'est-ce que c'est que ce geyser là, du cul? Attendez. Alors attendez. Une branche comme ça. Une deuxième branche comme ça. Deux branches comme ça. Une troisième branche comme ça. Et une quatrième branche. Comme ça. Et ensuite, des ronds. Vous verriez mes dessins. Je pense que vous seriez globalement. Hein. Vas-y, monte tes super dessins. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Attends, je vais vous montrer ça autrement. En vrai. En vrai, le génie, non?
Ça vous plaît ou pas? Donc il y avait ça. Après il y a eu le piano. Ça c'était les dessins, rappelez-vous, du monde mécanical. Hein. Après, il y a eu quoi? Ça c'était le journal en deux fois. C'est des ouf. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Il n'y avait pas un premier, premier machin là? Merci Druzin, ça fait bien plaisir ça. Je m'attendais à pire. Ah, c'est quoi que tu m'as mis là sur Steam? Qu'est-ce que cette merde? C'est ça? Oh, trop bien! Ah, mais français non disponible. Ah, faudrait qu'il y ait un patch FR. Hein. Parce que par contre, c'est, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si t'as pas de patch FR, frérot, t'es dans la merde. Ok, donc alors, attendez. Ça, j'ai dessiné. Faut que j'ai dessiné le premier, j'ai oublié. Ça lag ou pas? Ouais, ça lag un peu, là. Attendez, je vais éteindre ça. Voilà. Je vais dessiner le premier. Parce que Unreal Engine... Et tutti quanti, mais par contre, voilà, bon, ça lag. Hein. Ah, ça lag, hein, moi je le dis. Hein. Picato n'est pas là pour m'insulter parce que j'ai une 2060 super, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. J'ai commencé à mettre vos sous de côté pour m'acheter une 3080 Ti. Bon, au rythme où vont les choses, je l'aurai dans deux ans, mais l'important, vous savez, c'est pas le voyage. Hein. C'est ce qu'on en fait. C'est l'atterrissage. Alors attendez, la gougoute. La gougoute. Oh là là, mes gougoutes, elles sont magnifiques quoi. Ok. Là tout le monde il est content. Tout le monde il est gentil. Tout va bien. On va s'y remettre. On va s'en remettre, pardon. D'accord. Ok. Ça se trouve, je peux reproduire les dessins là-dessus, là? Pas du tout. Complètement ma boule. Ah, il y en a un autre, là. Ça, c'est quoi? Oh là là. Ah, c'est la faille dont il parlait? Ah, c'est le monde où il y a la faille, là. Alors, attendez. Oh, les meilleurs dessins. Les meilleurs dessins sont sur la Féfé Production, hein. Vous le savez de toute façon. Il n'y a aucun doute. C'est la faille de l'avocateur. Bienvenue sur la faille de l'avocateur. On aimerait aller là nous, mais on peut pas encore. Je pense que j'ai tout. Je pense que j'ai tous les dessins. On peut y aller. Et la petite machine que tu viens de montrer, tu peux faire quoi dessus? Quelle machine? Celle où j'étais là? Ah, je peux rien faire. Les machines avec ça là, je peux. À part appuyer sur un bouton, je peux rien faire. Ah non, la machine avec le local, hein? Ouais, ouais, les boutons, je sais pas encore. J'ai rien compris pour l'instant. Rien du tout. R. Non, on va aller là. Oh non, mais tout de suite! Un peu de lumière. Un peu de lumière. Merci. Ok, donc là on est sur l'île du milieu, c'est parfait. C'est là où on voulait aller. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, donc d'accord. On les a pas mis dans le bon ordre alors, non. Attends, je vais peut-être noter que ça, c'est le troisième, 3. Ça, c'est le quatrième, 4. Ça, c'est le cinquième. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Ok.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a les ondes. Tu peux jouer au vieux Myst là-dessus. C'est vrai que ça ressemble. Je comprends pas ce que ça fait ça. Ça reset peut-être ? Faut que je trouve pour chacun. Pardon. Ah oui, c'est vrai que c'est magnifique. T'as nobody else. Ah ok, d'accord. Donc, faut que je, si je trouve tout le monde, après j'appuie là et ça montrera tout. Est-ce que lui il est bien calé? Mais du coup lui il est pas bon. Lui il est pas bon. Il est pas sur le bon. Faut que je cale les bonnes fréquences au bon endroit. La fréquence à lui, elle est là. Elle est là. Donc c'est le bruit de l'eau. Alors attendez, bruit d'eau. Ok. Lui, bruit de faille. Non, bruit de souffleuse. De chaudière, c'est un bruit de chaudière ça. C'est grave un bruit de chaudière en plus. Totalement. J'en ai tellement marre d'être allergique et d'enrhumé là, partout là. Ça c'est un bruit de magnétoscope. Ou de tic-tac. Tic-tac magnéto quoi. Ensuite. Alors attendez, celui-ci on l'avait vu où déjà? À côté de l'horloge je crois. Non ça c'est lui. Du coup si c'est à côté de l'horloge... Il doit être genre... Ah bah il est là. Petit oh. Je vais mettre bruit des elfes. Parce que si les elfes pétaient, je pense qu'ils feraient ce bruit là. Évidemment, on sait que les elfes ça ne pète pas. Et là, le dernier, il est là. Et là, c'est du vent. Du vent. Ok. Donc là on a tout, donc normalement si je fais ça... Ok. On va les voir hein. Pourquoi ils veulent éteindre la lumière ou allumer la lumière? Moi je veux que ce soit allumé tout le temps moi. Même si c'est pas Versailles. Alors... Allure. Du coup, c'est là qu'on va aller voir la petite radio, là. Petite radio chelou, là. Là, là.
qu'il faut faire? Faut les caler. Alors, le premier son, il faut que ce soit un bruit d'eau. Voilà. Le deuxième, un bruit de souffle, de chaud. Voilà. Le troisième, tic-tac mes couilles, hein. C'est pas ça. Ça. Le quatrième, bruit des elfes, là. Ah oui, les elfes qui pètent. Ça. Et le cinquième, le vent. C'est ça, non? En vrai. Ça, ça a rien proc? Comment, je suis trop day? Repulse. Ouais, je m'en sors. On est quasiment à la fin du jeu, là. Parce que gros cerveau... Gros cerveau, ici. Putain, ah, mais il est 19h, quasiment! Ah, mais on est passé dans une faille spatio-temporelle, là. Peut-être que je me trompe d'ordre. Il est 19h. On a joué combien de temps là? C'est un truc de ouf. Je dois me tromper d'ordre ou quelque chose. Leur ordre là-bas, ils avaient mis quoi? Je vois pas d'ici là. Non. À gauche, qu'est-ce qu'il y a à gauche? On a deux, il a signé à United. En parlant de gros cerveau, j'ai totalement piqué ton idée comme Fefe. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée? Des idées, moi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de moi, là? Ne vous êtes pas trompé? Je me suis créé un serveur Discord pour juste moi qui me sert de cerveau annexe. Et t'as vu? Est-ce que c'est pas la vie? Il a signé, c'est officiel. Putain, c'est énorme! Bah, en même temps, s'il était allé à City, ça aurait été bizarre quand même. Il est retourné dans son petit club d'avant et puis voilà quoi. C'est grave la vie, t'as vu, c'est incroyable. Organiser son cerveau sur un serveur Discord dédié, c'est juste insane. En plus tu peux avoir... tu peux du coup avoir... Enfin tout est... Tu l'as sur ton téléphone, tu l'as sur ton desk. C'est parfait quoi. C'est Myst Uru Live. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors attendez. Le premier, c'est bien le bruit de l'eau. Le deuxième, c'est bien le bruit de... Comment on appelle ça? Le bruit de chaudière. Troisième, magnétoscope into tic-tac. C'est quoi ce jeu? C'est Myst. Le remake. Ensuite, on a le bruit des elfes. Et enfin... Lui, on l'a pas vraiment, hein. Le dernier, en fait, je pense que le dernier, faut que je le fasse à Londres. Londres, elle est chelou, là. Je vais aller écouter, m'abreuver. Je vais aller m'abreuver de cela. Ouais, c'est vraiment du vent, quoi. Je ne le reconnais pas. Ouais, c'est normal. Il a vraiment plus rien à voir. C'est exactement les mêmes énigmes, etc. Et d'ailleurs, par contre, si vous voulez faire le jeu et que vous l'avez déjà fait, que vous vous rappelez des énigmes, le remaster propose... Qu'est-ce qu'il propose? Tenez-vous bien. Il propose... d'avoir des énigmes aléatoires. Et du coup, tu peux recommencer. C'est incroyable.
pas ça. C'est pas ça, mais c'est pas un train, wesh. Peut-être ça, hein. Non. Non, non, non. C'est lui qui est pas bon. Le truc des elfes, là. Bruit des elfes. Là, c'est ça. Ah si, hein. C'est bien le même son, hein. C'est vraiment mon cinquième son qui est pas bon, je crois. Ouais, mais la plupart des énigmes, en vrai, Paul, elles sont pas compliquées à savoir comment les résoudre. C'est la finalité qui est dure à avoir, je trouve. Ça, c'est good. C'est vraiment le cinquième qui est pas bon. C'est le même, non? Ah! Non, même pas! Quelle arnaque! Quelle arnaque! Allez, ça se trouve, c'est un train. Là, au point où on en est, là. Au point où on en est en vrai. Tu retenais un truc, non? Pas du tout. Je m'abreuve de ma propre folie. Les fils croisés. Oh, je peux les faire, hein. En fait, je suis sûr des 4 premiers. Salut Josh, j'espère que tu vas bien. Cela là. Après, il y a des codes couleurs et ça, on dirait que ça s'entremêle. Donc ça se trouve, c'est pas le bon ordre. Est-ce qu'il y a des codes couleurs sur les différents symboles? Tu vas faire quoi pendant tes vacances, Pauls? Peut-être qu'il faut que j'éteigne ces merdes, non? Je sais pas. Je vois pas pourquoi je devrais éteindre. Non, je vois pas pourquoi je devrais éteindre, ça n'aurait aucun sens. Quand tu fais la somme de tout, il est bien dans cet ordre-là. Ah! Ah! Bien vu! Tu crois que ça peut être ça? Bien vu ça. On va aller voir ça. Je crois pas que ce soit cet ordre là. Il me semble que ça commence par la fin en plus. Si je ne me trompe pas. J'y suis l'ordre des carrés, ouais. Trop bien Josh, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si t'as pas pu tout suivre, je sais pas si t'as vu, mais j'ai mis la VOD du premier épisode d'hier sur YouTube. Et la VOD de celui-ci arrivera, je pense, dans la soirée. Je vais m'en occuper une fois que j'aurai coupé le live. Merci beaucoup Josh. Alors, la somme de tout. Il a l'air de commencer par... Non, il n'y a pas la suite des remakes, malheureusement. Qui commence par là. 1. Ok. 2. 3. 4. Et 5. Non, 5 ici, là. Quoi? Attends. 1. 2. 3. Ok. Ah non, mais laisse tomber, Quinzel. Hein. Dans mon enfance, je n'étais même pas sorti de la première île. Hein. Je crois que je n'ai même pas résolu un seul puzzle quand j'étais petit. Hein. Genre vraiment, quoi.
Le deuxième saut en fait il a pas pris. Non, non mais le 2 c'est juste parce que je l'ai éteint là-bas. Mais sinon il est là hein. Je peux aller l'allumer hein, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. J'ai reconnu à le... Tu l'as mal aligné je pense. Non non non, parce que je l'ai éteint. Oh, c'est ma mère qui jouait. Ah bah tu vois. Oh c'est pas étonnant hein. Pas étonnant du tout. Le jeu est dur quand même. Mais tu vois avec une logique d'adulte et bon après j'en ai fait des jeux hein, et puis j'ai fait des escape games et tout. Ah non, il est mal aligné, vous avez raison. Bordel, je suis le pire streamer. Désabonnez-vous, hein, tous, je vous rembourse. Je vous rembourse. Linkez-moi vos PayPal et je vous rembourse. À quand le live de Dingo et Max Pro Skater? Non, parce que j'ai... les jeux que j'ai réussi à 100% quand j'étais petit, y a pas besoin de les refaire en live. Ils ok. Vous avez raison, l'eau est mal... Quoi? Y a tellement peu de mouvements que quand il y en a, ça m'effraie. Genre, je suis en mode, mais attendez, quelle est cette malversation, quoi? Quel est ce... Pourtant, j'ai l'impression qu'il est... C'est bon. Non, mais alors lui, là... Ok. Bon, on retourne essayer. On retourne essayer. Si ça t'intéresse sur un thème plus léger, j'ai un autre docu sur un mec qui a filmé la vie d'un centre commercial pendant un an. Y a pas de commentaires, mais le montage et les images sont assez éloquents sur le côté cringe de ces endroits qu'on ne voit pas forcément. Le monde parfait, ça s'appelle, c'est du docu Arte aussi. Ok, intéressant. 4, 1, 5, 2, 3. Oui, c'est ce que j'ai trouvé aussi. C'est ce que j'ai trouvé. Alors, donc en premier, il faut qu'on mette les elfes qui pètent là. Ça, c'est les elfes qui pètent. C'est le premier. En deux, on met le bruit d'eau. Voilà. En trois. En trois, le vent. Le vent c'est le plus dur à trouver. C'est là, ok. En 4. Ah bah c'était ça. Voilà. Et en 5. Et en 5, l'horloge. J'ai raté. C'est ça. Allez, par pitié. Je vous en prie. Oui. La victoire. Salut Guillerem. Bienvenue à toi. Le Potter, on sent. Ouais, il fait stresser. On dirait le. Le chargement Twitch, ouais. Mais tout va bien. Ouais, vous en faites pas. N'hésitez pas à utiliser hein, les émotes. Hein. Allez, c'est parti. Sachant que là, dans ce monde-là, on a déjà récupéré les deux pages. Là, tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison, quoi. Genre. On s'est malmené, hein. L'âge des sons, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ah, je l'ai su, il l'a dit à un moment, mais j'ai oublié. Attendez, on va aller profondeur là. Oh là là. C'est incroyable. On va rapture, ça y est, enfin. Ah. Est-ce que j'étais censé avoir capté un truc là-dessus? Heureusement que je sais qu'il peut pas y avoir de screamer ou de trucs comme ça. Hein. Sinon je crois que je crois que je serais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ?
Ah, je pointe nord-est là. Je pointe nord. Non, remonte pas. Remonte pas, qu'est-ce que tu fais? Non, par pitié. Par pitié, non. Non, fais pas ça. Non, non, non. Je suis navré. T'as plutôt intérêt à IRM, hein. Encore des directions. Donc c'est vers le bas, vers le haut, pardon. Ok, donc faut absolument pas que je fasse vers le haut. Ok. Vers la gauche, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Faut partir vers le nord. Je pense pas que les trucs qu'on voit au fond là soient quelque chose à activer ou quoi que ce soit. C'est normal là ce qui se passe ? Encore des points cardinaux et tout. Là du coup je... vers le bas. Pas du tout. Je suis navré. Du coup je ne comprends pas. Ah, je peux me balader dedans pendant qu'il descend, donc peut-être qu'il y a des trucs à activer. Ah, mais attends, mais une fois qu'on va être posé, peut-être que je peux ouvrir la porte. Donc là, on est d'accord, si je veux aller tout droit. Ok. Ok, donc là on va plein nord. Ok. Alors, attends, je vais noter. Je vais noter qu'au début on a fait nord. Il faut que je note tout ça. Donc, première direction, on a pris nord. Il y a 8 directions. Si je fais sud, je vais retourner en arrière. Ok, donc ensuite, ouest. Les hommes de Westfall s'en rappellent. J'étais là, Gandalf, il y a 3000 ans. Ok, on reprend nord. On reprend nord. Je sens que ça va être un enfer. Renor ? Renor. Tu peux monter là, non ? Non, je pense pas. Je pense que ce sera... Je pense que ça va être bien, bien montré lorsqu'on sera arrivé à la fin, tu vois. De toute façon, j'avais aucun écrit, aucun indice sur là où je devais aller, quoi. Ça va pas être sud. Spoiler, c'est un enfer. Génial. C'est notre dernière énigme, les amis, avant de finir le jeu, donc on va s'accrocher. Hein. Ok, donc là c'est un cul-de-sac. Au cul-de-sac. Pour partir par le sud. Faut que je fasse un chemin. Attendez, je vais faire un plan. Je vais faire un plan, je vais pas vous décevoir. Donc alors attendez, tac. Tac. Ensuite j'ai pris ouest. J'ai fait nord. Ouest. Nord. Nord. Et là c'est cul-de-sac quoi. Tac tac. C'est un jeu de 93, comme tous les jeux de cette époque, il y a des indices mais on les identifie jamais comme tels. Je retourne au sud. Donc là, je vais me retrouver ici. Hop.
Ok. Donc là, par là, c'est là d'où je viens. On est d'accord là-dessus. Donc là, de là où je suis. Il sert à quoi ? À alerter ma présence pour les autres, pour les collègues cheminots ? Ah non. Pas du tout. Si je vais au nord, c'est là d'où je viens. C'est une débilité sans nom. Est. On peut aller à l'est. À l'est, Gandalf. Non, pas du tout. Ok. Là, on est à l'est. On peut continuer à l'est. Donc, on va continuer à l'est. Allez, c'est parti. Ok. Il parlait des grottes dans le bouquin. Ouais, mais je me rappelle plus ce qu'il disait exactement. Je peux partir au sud. On va partir au sud. Départ. Impasse. Je peux encore aller au sud. Là, on est parallèle au départ. On va mourir. Il va se passer une dinguerie. N'empêche, sur un malentendu, ça peut passer. J'ai entendu un petit bruit. Ça change de bruit là. Qu'est-ce que cette merde? Ouais, ouais, il fait des sons différents. Ouais. C'est comme un sonar. C'est comme dans Viking. Tous les chemins sont aussi longs que les uns que les autres. Et lui, il oriente par là-bas. Là, je vais partir à l'ouest. Mais si je pars à l'ouest, là... Vas-y, hein. Mais est-ce que, vu que... Comme les chemins diffèrent et sont pas pareils, est-ce que ça veut dire que je me rapproche de la fin? Bruit chelou. Non, il fait pareil. Donc là, sud-ouest. Donc sud-ouest, c'est par là comme ça. Je vais manquer de pages. Je vais manquer de feuilles. Il y a des virages, tu peux pas t'orienter. T'inquiète. Ça veut dire que c'est très grand et que tu vas te perdre, mais tranquille, no stress. Ouest. Moi, je veux rejoindre Westfall, moi. Je vais chercher le Gondor là. C'est quoi ce bruit? On va au sud? On va au sud. Mon plan est des plus clairs. Faudrait que j'aille au nord parce que là j'ai plus de place. Ah mais j'ai juste à rajouter une feuille par dessous. Mais là maintenant il fait que ce bruit là. Alors si on va au nord, on retourne par là où on vient, donc on va pas faire ça. Désolé, je me grattais. Alors par contre, on est emmerdé là. C'est un cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac. On va retourner en arrière. Et en arrière là-bas, on revient. Alors du coup, cul-de-sac là, tac, petite croix. Là, en arrière, si on va à droite, donc à l'est, c'est là d'où on vient, à la base. Donc, on va aller voir ce qui se passe par là, genre nord-ouest. Nord-ouest. Je viens de regarder une carte de ce niveau, je reviens dans une heure. C'est vrai? Arrête. Non, 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 mais moi je m'en sors. Hein. Là, vous verriez ma carte, vous serez en mode... Ah ouais, d'accord, donc en fait, Féfé, c'est un être... C'est un...
T'es un être plus intelligent parmi les autres, quoi. Est-ce qu'il y a une logique? C'est juste ce que j'aimerais comprendre, moi. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu ou qui devrait me permettre de me mettre très très bien? Oui, il y a une logique. Je pense que la logique est liée au son. Je sais exactement où aller à chaque fois. Je pense que c'est un peu comme dans Viking, là, quand t'es sur l'eau et que tu dois aller au nord, là. Il doit y avoir un trigger. Tu vois, là, ça fait... Peut-être que ce son veut dire « Va au nord !» Ou alors ça veut dire « Après chaque repas, je me brosse toujours les dents !» Ok, donc là, sud. Non, non, sinon le bouton rouge n'aurait pas été mis là pour rien. Ouais. À moins qu'il y ait un bait du jeu. C'est là d'où je viens. Attends, du coup j'ai oublié de noter. Ouest, je suis parti par là-bas. Je crois que je vais repartir en arrière, par le choix. Ouais, je vais pas avoir le choix, je pense. Ok, donc repartons à l'est. Donc ça, il fait ce bruit là. Donc là, impasse. Ok, donc là on est de retour ici. Au nord, c'est là d'où l'on vient. Heureusement que j'ai mon petit plan quand même. Hein. Heureusement quand même, hein. Est, c'est là d'où l'on vient. Non, pas du tout. On n'est pas allé à l'est. Envie de tester l'est. Vas-y, on va tester l'est. Il fait deux sons là. Ok, donc là on est à l'est. Là je peux aller au sud-est. Vas-y, bah let's go. Je n'ai aucune foutue idée de ce que le son signifie. C'est possible, Alonora. Et là, tu vois, il fait un bruit d'insecte into. Sud-est, sud. Là, il fait que le tong. Je pense que chaque bruit... C'est genre une direction, peut-être. Là, c'est là d'où l'on vient. Oh, ça va être encore une impasse. Sûr et certain. Ouais, c'est une impasse. C'est pas impossible. Genre un son qui correspond à un nord, un autre au sud. Bah on va repartir au nord de toute façon parce que là c'est une impasse, petite croix, tac. Mon plan, je vais vous le montrer à la fin, vous allez être émerveillés, je pense. Je pense, vous allez être émerveillés. Et du coup, nord-est, ça ferait deux sons comme tu l'as dit, ouais.
Du coup, ça fait deux sons là. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a un endroit là qui a deux sons? Sud, c'est là d'où l'on vient. C'est si difficile. Ah ah ah! Nord-ouest, ça a deux sons. Peut-être que le ding et le. Peut-être que le ding et. C'est nord-ouest, tu vois. Le ding, ça doit être nord. Vas-y, on va tester. Donc là, ça veut dire qu'on revient sur nos pas, là. Salut, Delta. Là, on revient sur nos pas. Ok, donc là, ça va être, je pense, nord-est. Parce qu'on a eu le kshpoum là. Bref, vous m'avez compris quoi. Le ding, c'est nord. Les insectes, c'est est. C'est ouest. Là, faut que j'aille au nord. Ok, je crois que j'ai trouvé. J'installe le jeu. Il n'en fallait pas plus à Delta. Delta, il adore les trains. Alors le jeu n'est pas... C'est pas une simulation de train, Delta. Hein. Attention, hein. Te fais pas avoir. Il y a un... Il y a un bout... Alors oui, ding c'est nord, insecte c'est ouest, pchit, c'est est. Et là du coup on a des trucs de sud là. Hein. Ah, c'est nouveau ça. Sud-est. Là c'est un coup de métal et pchit. Donc je pense que c'est sud-est. Donc sud, c'est le coup de métal là. Je pense hein. Les sons en fonction des directions, ça vient du monde mécanique avec le cabanon orientable. Ok. Très bien. Ah mais j'étais pas loin de la fin en vrai. J'étais pas loin de la fin du tout. Attendez, du coup je suis curieux de voir une map. Carte. Mist. Comment ça s'appelle? Grotte peut-être. Visiteur, t'es le goat. Ah, franchement. Eh, franchement. Hein. Du coup, j'ai arrêté de la faire. J'ai arrêté de la faire. De la compléter. J'ai arrêté de la compléter lorsque j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais en vrai, tu vois. Le départ là, là. Nord. Tac, 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 machin. Ouais, en vrai. Avec les petites croix pour les impasses et tout. Attention, hein. Attention, hein. Non, parce que bon. Moi, les amis, moi, les casse-têtes et tout. Je suis fort. Je suis fort. Clairement, il y a 5 ou 6 nœuds et il a pris la bonne direction totalement au pif. Au pif. Alors que j'ai fait ça à l'instinct, quoi. N'importe quoi. Toujours, toujours à. Critiquer toujours hein, toujours. On est totalement à la fin du jeu, on n'a plus qu'à waouh. Cartographe professionnel. Je suis Christophe Colomb moi. On a niqué Skynet, rappelle-toi. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'on va enchaîner avec Riven. Hein. OK, donc on a les dernières pages. Par contre, moi, j'ai un truc qui me trigger, c'est que... Il y a deux choses qui me trigger. La première, c'est que j'ai une page blanche. Et la deuxième, c'est que ici, là... La deuxième, c'est que ici, là... Il y a ça, quoi. Et ça... J'en ai aucune idée, Guérim. Tu vas continuer? Ah bah oui, je vais faire la suite des jeux, bien sûr. Et ça, en vrai... Un démineur. Non, c'est quand tu cliques sur un carré, ça l'illumine.
Et j'ai l'impression, tu vois, vu que j'ai trouvé une page blanche, qu'il y a ça, j'ai l'impression qu'il y a une autre fin. Et que là, si je choisis une des deux fins, je me nique un peu, quoi. J'ai pas envie de me niquer. J'ai pas envie d'avoir la mauvaise fin, j'ai envie d'avoir la bonne fin. Ou alors peut-être que je pourrais continuer à jouer après avoir donné la dernière page. J'en ai aucune idée. Fais-le au hasard. Non, non, mais c'est impossible de trouver. Tu penses bien que... T'as fouillé tous les livres de la bibliothèque ? Ouais, ouais, on les a tous lus. On a lu tous les livres de la bibliothèque. Y a pas d'autres, hein. Il y a ces quatre-là, là, mais on les a vraiment tous lus. Il n'y a aucun... qui parle d'un quelconque... Ouais, on a tout lu, hein. On a tout lu. Oh, les pages bleues. Des pages bleues. Donne-moi les pages bleues. Je pense que d'ailleurs, je vais donner la page bleue... Porte-moi une page rouge. C'était doublé en français à l'ancienne, non? Dommage qu'il n'ait pas remis le doublage. Parce que moi, vraiment, dans mes souvenirs, c'était en français. Il y avait la map des grottes dans le début. Depuis le début? Pas du tout. T'as vu ça où? Attends. Ah bon? Ça, là, tu dirais que c'est la map des grottes? Non, je pense pas. La page blanche, c'est vraiment étrange. De ouf. Un fuck céleste. Merci Delta, le fuck céleste. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas la VF, ouais. T'as vu ça où, Pauls? Le schéma avec les flèches et tout. Je crois pas, hein. Y a aucune solution. Y a des indices vaguement dans les livres, mais y a vraiment aucune solution, donc ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Bonne chance Delta. Du coup ces overlays dégueulasses sur les livres, c'est un mode où ils ont osé sortir ça officiellement. Ah ça là c'est officiel je crois. Quand tu faisais 8 sur l'imageur, ça donnait quoi déjà? Ça donnait Artus qui parle. Et qui raconte et qui dit oui si tu dois trouver les livres etc. N'oublie pas la tour. Donc ce qui nous aurait permis de trouver... ça plus rapidement. Mais en fait non, c'est pas ça quoi. Dernière page d'un des bouquins. Je crois pas. Moi je crois monsieur que vous méprenez, hein. Je vais pas acheter cette version tout de suite alors, ouais. Moi je pense que Paul Statou se méprend. C'est vrai que c'est le seul truc, c'est le seul défaut, c'est ça. Hein. Mais non, ça c'est pas la map, hein. Ça c'est un truc de... Ça c'est du monde de Channelwood, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le quadrillage, ça me fait penser à une carte avec des positions à reporter, mais lesquelles? Bah c'est ça quoi. Surtout où est-ce que je pourrais trouver ça alors? Là-bas on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous êtes un ivrogne monsieur. Là on a fait... Là en vrai on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on n'a pas de date. On n'a pas de date à rentrer là, hein. A aucune date à rentrer. Il donne pas de date dans les bouquins. Là on a fait, là-bas on a fait. À la limite le seul truc qui pourrait être quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est ouvrir ces compartiments là, mais je suis même pas sûr finalement que ça se compartisse quoi, que ça s'ouvre. Je pense que je me souviens de ce qu'il faut faire avec la cheminée. Moi en soi, tant que je peux faire le truc de la cheminée après avoir donné la dernière page du bouquin à l'un des deux zigotos, là, ça me va, hein. Ça me va, quoi. Bon, je vais aller donner la page bleue. Je pense que je vais donner la page bleue. Cyrus me semble moins de confiance que Akenor. Cyrus me semble vraiment moins de confiance. Je vais quand même sauvegarder. Emplacement vide. Comme ça, comme ça, si jamais, tu vois, genre...
Je donne à Knar. Et je peux aussi la donner à l'autre? Bon. Hello. I'm Aknar. I'm glad to see that you've returned to help me escape from my wrongs and imprisonment. It was Cirrus who did this to me. Cirrus, my wicked brother. Do not listen to him. I warn you. I warn you again. He is a liar. Do not be persuaded by his evil lies. Do not release him. He killed my father. He will kill you. It began when my brother, Cirrus, began to lust for riches. He stole from the Ages of Mist. He hoarded up riches for himself. My father slept away his watchfulness. My sick brother secretly pronounced himself king. King of the Ages of Mist, he said. He began to look upon me in disgust. Ils ont changé les physiques des... Vu qu'ils ont dû les remodéliser. Et puis Cirrus a commencé à détruire les Ages of Mist. Il a brûlé leurs forêts. Il a tore down leurs structures. Il a flooded leurs lands. Il a murdered leurs habitants. Il a complètement détruit tout but 4 of the Ages. Of course, I had to warn my father. And when I finally found him, there was Cirrus also talking cleverly with the lion tongue of a serpent. He convinced father that it was I who had destroyed the ages. He convinced father that it was I who was greedy for wealth and plunder. And as Cirrus dealt the final blow, he tricked father into believing that I was the murderer. But Cirrus did not deal as fast a blow as he had planned. And his father died a slow death. He at last doubted my brother's clever lies. And so, in dying, father imprisoned us both. Unsure from which of us the blow had come. I swear to you, what I see is the truth. Release me. You must release me. My brother is a deceitful liar and deserves punishment. I only wish vengeance for my dear father's wrongful murder. Believe me. Must only recover one additional page to release me from this prison. La page blanche. It is the easiest to find. Go to the bookshelf that's in this library. On the far side of the middle shelf, there's a burned book, which is different from the other burned books. This book is filled with patterns. Find pattern 158. Mimic its design on the panel. Imitez son motif sur le panneau de la cheminée. Motif cheminée. Salut Regat, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement, merci énormément. J'espère que tu vas bien. Attends, il m'a prévenu de quoi là? Il m'a dit quoi? Ne touchez pas au livre vert, il a dit. Il a dit ne touchez pas au livre vert. J'ai toujours la page blanche hein, que j'ai trouvée. Hein. On va voir ce qu'il va nous dire, lui. Je peux toujours sauvegarder. Là, je peux encore sauvegarder, là, avant que ce soit trop tard. Je pense. T'as trouvé une page blanche. Oui, j'ai trouvé une page blanche, oui. Dans un truc... dans ce, ça, là, mais sur le quai, là-bas, là. Là-bas, là. Tac. Là-bas. Une page blanche. Du coup, là, il me dit... Il y a un livre carbonisé. Je pense que c'est lui. Le motif, c'est ça? Ah non. 158. Pourquoi? Ah ah, ok. Parce que tu l'avais pas trouvé, toi? Ah, parce qu'il y a d'autres endroits pour trouver une page blanche. Et lui, il inspire moins confiance quand même. Hein. Il inspire beaucoup moins confiance. Father who was a master of the books.
books, he wrote hundreds of them, all describing and linking to the fantastic places and ages which he had discovered. The room in which you now stand was our father's library. It was here in this room, on this island named Mist, that he housed most of these books. But such a waste. By now, you have surely discovered that Aknar has burnt you to reading most of these books. Why? Our father was always watchful of our exploration. He grew up under his strict supervision. Ah ouais, vous pensez vraiment qu'Aknar il est timbré? He began to leave our adventures more and more unchecked. Unsupervised as we were, my brother began to become disturbed. He began to take more from the Mist Ages than he had given. Soon he gained a twisted pleasure from the conquest and destruction of the other ages. Il a plus d'arguments, lui, quand même. His thirst for destruction. But alas, even I discovered his insanity. He had completely destroyed all of the Mist Ages but four. I wasted no time. In warning my father, I thought he would recognize Aknar's guilt. But in a fit of rage, he imprisoned both my brother and myself. Un phoque céleste. Merci Mina, merci beaucoup. Until he could judge which of us was guilty. To discover the truth, our father embarked on one final journey. However, he has never... Écoute, tu vas dessiner 58, je veux voir. Pourquoi? Bah je pense que lui aussi va me dire de le dessiner, non? C'est pour ça qu'on joue à ça, hein. Tout à fait. Page, and I will be forever free. There is a book on the shelves. Et je peux pas libérer les deux, ça j'imagine que c'est impossible. Hein. It is the last book on the middle shelf. Find it. This book is filled with a variety of patterns. Find pattern 158. Ouais, 158 aussi, ouais. Recreate the door of the fireplace. This will bring you to the last red page. Bring that page to me. I will finally be released and able to reward you, of course. Et lui, il me parle d'une récompense, pas l'autre. My page finishes my brother's book. It chills me to even think what would happen if you were to release him. There is another one. Where the red and blue pages reside, also reside. Ouais, il essaie de m'acheter alors que le bleu, il sait pas de m'acheter. Vous touchez seulement le livre vert. Our father gave us the same warning long ago. I suggest you follow his advice. Go now. Soon. Ah bon, cette histoire de livre vert là. Ok. Bon, écoutez les amis. Il y a combien les motifs? Ah, j'imagine qu'à chaque run, c'est des motifs différents. Et du coup, tu peux pas pré-shot et savoir quel motif ça va être. Parce que sinon, en fait, tu peux finir le jeu en 2-2, quoi. Le bleu est moins manipulateur, tu trouves, toi. Et si les deux étaient complètement fous, le livre vert, c'est peut-être justement la bonne solution. C'est peut-être, hein. Totalement peut-être, hein. Alors... Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je vous ai déjà dit que la Coffee Fait Production, c'était l'endroit le plus amusant de tout Twitch. Ok. Alors, croix.
Deuxième niveau ici, croix. Juste à côté, croix. 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 Quoi? Quel abruti. Croix. Bon, il fallait faire défiler les pages jusqu'à le trouver. Là, il mâche le boulot. Ah oui, oui. 158 tel que je m'en souviens. Non, non, je doute pas là-dessus. Je veux juste dire que à chaque run, ils te mettent un motif différent. Sinon, tu pourrais finir le jeu direct, quoi. Ok. 3, 4, 5. Juste au-dessus, 6. Juste en dessous. Ok. Ok, ok. J'ai le motif. Normalement, attends, je vais quand même vérifier une dernière fois. J'ai bien le motif. Il veut plus le prendre ? Bah frérot, un effort. Ah, il te dit toujours le 158, d'accord. Le rouge te donne des airs de rebelle, mais tu pourrais au moins boire une bière avec. L'autre, c'est un jeune macroniste sous coke. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis trompé. Alors attendez. C'est là. J'ai oublié un truc ? Oui. Attends, what ? C'est bon ? Ah oui, ok. Je pensais que ça devait s'activer tout seul en fait. Ok. On teste le livre vert avant. Et après on va tester les deux autres fins. Allez. Certus. Who the devil are you? Don't come here, Danny, not yet. Oh, I have many questions for you, my friend, as you no doubt have for me. Where should I begin? Perhaps my story is in order. My name is Atrus. I feel you met my sons, Cirrus and Akinar, in the red and blue books on Mist Island in my library. My library. Oh, it contains my works, my writings. Oh, I wrote many books that linked me to fantastic places. It's an art I learned from my father many years ago. Oh, but the red and blue books, those were different. I wrote those books to entrap over-greedy explorers that might stumble upon my island of mist. But I had no idea my own sons would be entrapped. My sons, Cirrus and Akinar, we had many journeys together. I gave them free rein to the books. Perhaps it was not wise. I could see the greed growing in them. I had not told them about the red and blue books. Their imaginations went wild, they dreamed of riches and power. Of course, they did not know the books were traps. They begged for access to those books, and of course, I denied them. Oh, they devised a plan. An evil plan. I had no idea to what extent their greed had progressed. Their own mother. They used their own mother. Oh, my dear Catherine. To lure me here to Dunny. Of course, I could return to Mist, except they removed a single page from my Mist linking book. I cannot return without that page. You, my friend, can bring Je l'ai la page. Oh, I pray you believe my story above the lies that my sons have told you. If you could find it in yourself to return that page to me here in Dunny, I could go to Mist and bring justice to my sons for what they've done. La fameuse page blanche, exactement. I must return to my writing. I pray that you believe me. Please hurry. Bring the page. Bring the page with you. Je l'ai, frangin. Du coup, les deux sont fautifs. C'est pour ça que aucun des deux veut que je touche au livre vert, quoi.
Monsieur? Ah, my friend, you've returned. And the page. Did you bring the page? You've done the right thing. I have a difficult choice. Il va me laisser là. Pourquoi on le croirait lui plus que les deux autres? My sons have betrayed me. I know what I must do. Ouais, il est un peu moins lucide que les deux autres. Il va jamais revenir. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Ah non, je n'arrête pas tant que je n'ai pas les crédits. Je peux aller dedans, du coup, moi aussi, peut-être. Hey, il est revenu. Achieve the good ending. Oui. It is done. Il a tué ses fils, très bien. Très très bien. I have many questions for you, my friend, but my writing cannot wait. I fear that my long delay may have already had a catastrophic impact on the world in which my wife, Catherine, is now being held hostage. Ah, et dans le 2, tu vas sauver sa femme. And a reward. I'm sorry, but all I have to offer you is the library on the island of Mist and the books that are contained there. Feel free to explore at your leisure. I hope you find your exploration satisfying. You'll no longer have my sons to deal with. Oh, and one more thing. I'm fighting a foe much greater than my sons could ever imagine. At some point in the future, I may find it necessary to request your assistance. Until that point, I'm afraid you'll enjoy the explorations from my library on Mist. Thank you. The book. You can use the Mist linking book to return to Mist. Trop stylé. Je suis un grand fan de cette licence, désormais c'est acquis, c'est maintenant. Et je suis content parce que tout le mystère qui reposait autour d'un jeu auquel je n'arrivais à rien quand j'étais petit, bah, tout ce mystère valait le coup en fait. Lis les bouquins alors. Ah ouais? Bah attends, mais je les ai déjà lus moi. Ah non, mais tu veux dire les vrais bouquins, les bouquins palpables IRL. Du coup, là, le jeu est fini, là? Je dois pas faire un dernier trigger, un dernier truc? Y'a pas de crédit. GG. Bah merci. Bah attendez, on va aller voir les fins. Attends. Le menu, par contre, ils ont fait zéro effort. On va voir les fins. À l'époque, avec ma soeur, on s'était fait avoir. On avait eu peur d'ouvrir le livre vert. On avait choisi le bleu sans trop y croire. Bah attends, on va aller voir ce que ça fait. On va faire le bleu et le rouge. On va voir ce qui se passe. J'aimerais bien sortir, par contre. Les ajouts de Real Mist, il y a un monde supplémentaire à visiter, mais sinon non. You're wasting my time and yours. Go to the last book on the middle shelf. Tais-toi, mais tais-toi, je te la donne en fait là. You're wasting my time and yours. Ça a un peu bugué. Il va me dire USC One Man Time. Ça marche pas? On va faire le rouge alors.
T'as tout cassé, j'ai tout cassé, ouais. J'ai vraiment tout cassé. Ok, donc la fin avec le rouge, avec Sirius. Achieve the bad ending with Sirius. Oh, yes. Yes. I'm free. Oh, thank you, my friend. My dear friend. You've done the right thing. You stupid fool. It looks like perhaps you're in the book now. And what have we here? Le mec est refait, quoi. TW, l'angoisse là. Je n'entends plus. Il a arraché trop de pages. Et du coup, j'imagine ouais, que là, je peux... Ah. Et là, je vais avoir des crédits alors que j'ai pas de crédits dans les autres... Ah, c'est marrant. Tu as aussi une mauvaise fin si tu vas... Si tu vas à Nice sans la page blanche. Ok. Parce que du coup, tu peux pas repartir, donc tu restes comme un trou de balle avec... avec le frérot, quoi. Et alors, comment on accède au dernier monde, s'il y a un dernier monde ? Alors, attendez. On va aller faire la fin bleue. Même si elle va être grosso modo sensiblement identique, j'imagine. Attends, je peux faire ça, peut-être. Oui, voilà. Sacrément sadique, le daron, quand même. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait, le daron ? Ça sent bon. Ça m'ouvre bien l'appétit tout cela. Ah, les deux fins sont considérées comme mauvaises. Je suppose aussi, parce que j'ai pas eu de nouveau bouquin. C'est pas moi dans ses... Il est moins bavard que son frère quand même, hein, pour bien se foutre de ma gueule. Homer Sirius, il a dit merci. Eh, comme quoi.
Comme quoi. Et du coup, ouais, attendez, on va vérifier une dernière fois. Alors, la dernière sauvegarde que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle dont on revient de Denis, donc là où on a sauvé Artus. On va voir s'il y a un nouveau bouquin, du coup. Parce qu'en plus, il le dit, ouais, va checker mes bouquins, machin, je sais pas trop quoi. Non, mais ça se verrait s'il y avait un nouveau bouquin, là. On le verrait. Pas de nouveau bouquin. Bon, bah, on a fini le jeu à 100%. À 100%? Je vais voir si j'ai tous les... J'ai tous les trophées. Xbox. Tac, tac, tac. Alors, Myst. À la place des livres rouges et bleus, peut-être? Non, c'était Cramax. Récompense possible, 26. Il doit bien y avoir un trophée speedrun, possible, ouais. Je les ai tous. Ah non, il me manque un. Continuez de jouer pour vérifier. Seul 0,10%. Ah, il y a quand même pas mal de secrets que j'ai pas, hein, regardez. Il y a quand même pas mal, hein. Comment on enlève ça, hein? On s'en fout. Donnez-moi ça. Je sais pas du tout ce que c'est et à quoi ça équivaut. 600 temps sur 1000. Temps de jeu, 1h30. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Bon, et ben franchement, on a passé un bon moment.